Ah, c'est bon. Bien, je vous remercie tous d'être là pour ouvrir ce colloque sur la mélodie française. Nous accueillons pour commencer le vice-président de la recherche de la Sorbonne Nouvelle, M. Ronan Ludot-Flassac, qui va donc nous dire quelques mots, qui nous fait l'amitié d'être présent pour cette ouverture. Et puis, donc, nous enchaînerons sur l'ouverture thématique, si l'on veut, du colloque par Sylvie Douche et moi-même. Et merci encore à tous d'être venus. Mesdames et messieurs, chers collègues, bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux et très honoré d'ouvrir cette belle manifestation scientifique dans ce lieu absolument splendide. Et je tiens à remercier tout d'abord toutes celles et ceux qui l'ont rendu possible. Bien évidemment, la Fondation Saint-Gerre-Polignac et son président, M. Pierre Corvol, grâce à qui ce colloque peut se tenir dans un lieu absolument magnifique. Je remercie également M. Le Gall et Mme Campa, dont l'aide a été particulièrement précieuse pour que ce colloque puisse se tenir. Les organisatrices, bien évidemment, Sylvie Douche et Cécile Leblanc. Je vous remercie. Ça va, je ne suis pas trop loin. Ça marche mieux comme ça. Enfin. La Sorbonne Nouvelle. Également, notamment le laboratoire CRP19, hein, de littérature française du 19e siècle, sa direction des affaires internationales et sa commission de la recherche, Sorbonne Université, et tout particulièrement le laboratoire de musicologie IREMUS. Et enfin, je salue la présence de M. François Leroux, qui permet de tisser des liens féconds entre pratique artistique et recherche en musicologie et en littérature. Si la mélodie française repose sur un dialogue constant, une écoute mutuelle entre chant et instrument, ce colloque se fonde aussi sur un dialogue entre les disciplines, musicologie, littérature, histoire culturelle, mais également entre le monde universitaire et une institution culturelle de premier plan. Elle témoigne ainsi de la vocation qu'a la recherche universitaire, me semble-t-il, de s'ouvrir sur la société, et la devise de la Sorbonne Nouvelle, Université des cultures, est tout à fait significative à cet égard. Je vous souhaite à toutes et à tous, j'avais promis de parler une ou deux minutes seulement, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent colloque. Étant moi-même pianiste à mes heures perdues et amateur de chant lyrique, j'aurais été très heureux d'assister à vos travaux, qui s'annoncent passionnants. Je dois toutefois vous quitter pour rejoindre une série de réunions qui promettent d'être bien moins passionnantes. Mais je vous souhaite à toutes et à tous un excellent colloque en présentiel ou bien à distance. Je vous remercie. La mélodie française d'Édouard Lalo à Francis Poulenc. Interrogeons-nous sur le terminus acquo d'abord, ad quem ensuite. Pourquoi choisir Lalo? Certes, né en 1823, c'était l'occasion rêvée de fêter le bicentenaire de sa naissance. Il est légitime de fonder notre réflexion de ces deux jours à partir de ce compositeur, loin d'être un petit maître, mais que les mélodistes d'ailleurs qui suivent s'accordent à considérer comme un passeur. Octave Serré le surnommait le conquistador. Et comment pourrait-il en être autrement, puisque Lalo conçoit ses premières mélodies en 48-49, avec son long adieu au désert, par exemple, alors que la romance brille encore de tous ses feux, quoique dénigrée et déjà regardée comme passéiste. Pourtant, c'est plus souvent Charles Gounod, son mentor de 5 ans son aîné, qui apparaît généralement comme véritable inventeur de la nouvelle vocalité française, surtout depuis que Ravel le consacra comme tel. Gounod reste le véritable
instaurateur de la mélodie en France, celui qui a retrouvé le secret de la sensualité harmonique perdue depuis les clavecinistes. Or, l'aîné de Ravel, le compositeur et musicographe Charles Quesclin, ne partageait pas cet avis. En effet, rédigeant l'important chapitre sur la mélodie française pour Rosinski, Quesclin range les premières mélodies de Lalo parmi les romances, ainsi que celles de Saint-Saëns, Bizet, Delibes, Franck et même Fauré. Mais il reconnaît que le père du roi X s'est vite détourné des médiocres imitations de Gounod, dont semblaient alors se contenter la plupart des compositeurs de mélodies. Pourquoi une telle affirmation ? Probablement parce que les choix poétiques de Lalo se portent rapidement sur Hugo et Musset, puis Gautier et Lamartine. C'est avec L'Esclave et Marine, orchestrés après, que selon Quesclin, Lalo adhère complètement à la nouvelle esthétique du genre. Il y voit une écriture soignée et personnelle, la noblesse d'accent et de la tendresse discrète, le tout dans un développement tout à fait libre, précise-t-il, chose rare à cette époque. À cause, bien sûr, de la forte influence de Gounod, justement. Quesclin loue sa sensibilité de douceur et de charme, mais il regrette qu'elle tourne parfois à la formule, comme chez tous les disciples de Gounod privés d'une personnalité. De fait, Quesclin est assez tiède vis-à-vis de Guéraud ou de Delibes, très peu élogieux à l'égard de Bizet, Godard ou Reyer, tout en reconnaissant des qualités aux mélodies de Saint-Saëns ou de Paladil. En revanche, son admiration va à Duparc ou Massenet et à l'exact contemporain de Bizet, Alexis de Castillon. Ce dernier est l'auteur d'un seul recueil de mélodies que le critique Camille Mauclerc, en revanche, déprécie un peu, y voyant des romances ou mélodies plutôt que de véritables lieds. Mais, ajoute Quesclin pour le disculper, Castillon commit la lourde faute de mourir trop jeune. Ainsi donc, Éloire Lalo se détacherait de l'arbre nourricier de la romance, même s'il aborde encore la forme strophique avec son humoristique balade à la lune sur Musset. Car chez lui règne la vigueur sans emphase, la tendresse sans manière, une émotion qui ne déclame ni ne larmoie. Ce sont les mots de Gaston Carreau dans Musica. Ce dernier verbe est très important, larmoyer, tant la romance a partie liée avec le topos des larmes. Par ailleurs, ce refus de l'emphase apparaît être un réel stylème musical français de la fin 19e, début 20e. Il s'agit aussi de se détourner des sirènes d'Outre-Rhin. D'ailleurs, Lalo, comme Saint-Saëns, assume le legs romantique qui est le sien. Ainsi, l'influence schubertienne est audible dans l'accompagnement pianistique de L'Aubenais, en accord rebattu sur une basse, simulant une mélopée de violoncelle dans une forme strophique variée à refrain. Quelques décennies plus tard, son duo, Danson, rappelle les nocturnes, genre de romance à deux voix parallèles sur un piano allégé. Tandis qu'en 1887, son souvenir sur Victor Hugo est écrit à la façon théâtro-déclamatoire de certaines romances ou scènes romantiques. Servière y soulignait la chaleur dramatique de Lalo. Nous le disions, il n'est pas le seul à manifester l'assimilation du romantisme germanique. César Franck est aussi de cela. César Franck, né un an avant, en 1822, et tête de proue d'une école factice, manifeste, selon Vincent Vivès, des goûts poétiques jugés romantiques, élisant Dumas ou même Clarisse de Florian, dont nous avons ici une spécialiste. Mais aussi, élisant et avec ses goûts l'entraînant dans le sillage de la romance, Desbordes Valmore, quoique plus nourri à la source de la musique vocale allemande qu'à celle de Gounod. Voilà donc bien la deuxième branche nourricière de la mélodie française, telle que définie en 1925 par Charles Quesclin, comme une sorte de poème symphonique avec paroles. J'en profite donc pour rappeler combien la terminologie est délicate à manipuler en ce long 19e siècle. Les décennies passant, le foisonnement peut être excessif des termes qui désignaient l'assemblage vocaux-instrumental de l'intimité s'est considérablement réduit, jusqu'à s'assécher autour d'un binôme froid et quasi vidé de sens, le lied en allemand versus la mélodie en français. Ainsi donc, la romance et sa kyrielle de sous-catégorie n'est plus qu'une ancêtre ratée, au pire, ou au mieux, en devenir de son plein épanouissement, à condition d'être d'abord reniée.
Or, les deux genres vont coexister. La frontière entre les deux est ténue. Elle est d'ordre socioculturel, plus souvent que formel et esthétique. D'ailleurs, une troisième branche serait à prendre en compte pour compléter la généalogie esquissée, celle de la chanson. Elle est même particulièrement présente dans la descendance française. Dès 1841, à mi-temps de ce siècle dit du réveil des peuples, le professeur Adrien Lafage affirme « On peut contester sur la question de savoir si les Français naissent musiciens, mais tout le monde s'est accordé à dire qu'ils naissent chansonniers. » Voilà qui explique l'importance du populaire dans la production mélodique de compositeurs parfois très sérieux, à commencer par Kekla. Si bien que notre terminus aquo eût pu aussi bien s'appeler Jean-Baptiste Vecarlin, lui que René Brancourt surnommait l'original bibliothécaire, auteur des Chansons de France. Né en 1821, décédé en 1910, Vecarlin est l'exact contemporain de Pauline Viardot, fille de Garcia, sœur de la Malibran, grande cantatrice de romances, pianiste, elle-même contralto comme l'épouse de Lalo. On lui doit une vingtaine de romances, mais également des mélodies russes, toscanes, des chansons du 15e, des Lieder, etc., et de pures mélodies françaises. Elle cède enfin à la vogue orientaliste, comme Kekla avec Klingsor, ou comme Ernest Reyer. Encore un possible terminus aquo. Né aussi en 1823, et mort un an avant Viardot et Vecarlin. Très proche de Gustave Flaubert, de Gautier, l'orientaliste Reyer aime fréquenter le chansonnier Pierre Dupont. On pense plus tard à l'admiration de Poulenc pour Maurice Chevalier ou aux chansons de Millau, par exemple. Ce Pierre Dupont, né aussi en 21, plaisait à Sand, à Lamartine et à Victor Hugo, lequel prononçait son célèbre discours sur la misère à l'Assemblée nationale en 49, l'année même où Lalo composait ses six romances populaires sur Béranger. Ce faisant, il tirait à son tour la mélodie vers la chanson populaire, tandis qu'avec ses cinq Lieder, Lalo se positionnait en concurrent germanique, comme l'écrit Herbert Schneider. Autrement dit, gardons-nous de toute simplification. Les compositeurs français en activité après 1850 sont susceptibles de balayer un très large spectre d'expressions vocales, appuyés sur des textes d'horizons variés, même si certains poètes et recueils apparaissent comme points de convergence, ainsi que l'a récemment démontré Lucia Pacini dans sa thèse. En deux jours, aujourd'hui et demain, nous ne relèverons pas la gageure qui consisterait à circonscrire parfaitement les limites de la définition de la mélodie française. Toutefois, peut-être est-ce l'attention portée au texte qui va la caractériser, donnant ainsi raison à Francis Poulenc, qui voyait dans la transposition musicale d'un poème un acte d'amour et jamais un mariage de raison. Tandis qu'on pouvait lire en 1840 que les poètes avaient presque tous l'oreille anti-musicale. Quant à Vidor, il affirme que c'est Gounod qui est venu montrer qu'on pouvait bien dire et bien chanter à la fois, contrairement aux années antérieures à 1840, où musique et déclamation faisaient très pitoyable ménage, dit Vidor qui ajoute « Si le divorce eût légalement existé, mieux certes eût valu divorcer que vivre ainsi en perpétuelle dispute. » Voilà donc pour ces échanges entre littérature et musique. Il sera sûrement question de prosodie dans les communications à venir. Cette relation nuptiale sera approfondie grâce à l'expérience et l'expertise des 18 musicologues, littéraires et interprètes qui vont s'arrêter sur des œuvres emblématiques pour y étudier l'articulation verbo-musicale durant ces deux journées. Retournons enfin à Kekla, disciple de Fauré, qui achève ses 62 pages d'articles par l'amer constat toujours actuel du dédain que manifeste le public à l'encontre de la mélodie française. On veut bien accorder que cette musique est parfois charmante, mais à cause de ce charme, on se la figure superficielle, comme si l'austérité désagréable était en l'espèce une vertu nécessaire. Autrement dit, la romance aurait péché par excès de niaiserie quand la mélodie pécherait par excès de préciosité ou de sophistication. Un fréquent reproche adressé à la mélodie française est donc son caractère snob, élitiste, foncièrement bourgeois. Reproche expliqué par son principal lieu de divulgation, le salon, grâce auquel la mélodie... On connaît un chanteur... Le salon,
grâce auquel la mélodie est alors le seul genre un peu lucratif pour un compositeur, comme l'écrit Myriam Chimène. Puisque nous sommes accueillis dans le lieu qui abrita il y a 8 ans un colloque consacré à Roland Barthes et la musique, je termine cette petite introduction en laissant la parole au célèbre sémioticien, grand amoureux de la mélodie française. Il parle de Charles Pasqua. Arriver à un dosage exact et juste des consonnes et des... qu'on connaît un chanteur que à la langue, à la façon dont il prononce, si vous voulez, tout simplement. Et ce qu'il y a, à mon sens, de très beau dans l'art de Panzera, c'est précisément la façon dont il prononce. Il a écrit d'ailleurs des choses très intelligentes là-dessus, non pas dont il articule, n'est-ce pas, le conseil de certains professeurs de chant, tout au moins autrefois, qui était d'articuler, non, c'est pas ça qui est important. C'est prononcer, c'est-à-dire arriver à un dosage exact et juste des consonnes et des voyelles, enfin on ne peut pas entrer dans la technique de la prononciation, et je crois que c'est très important. Alors par rapport à ce phénomène historique qu'est la mélodie française, qui ne peut pas être confondu avec le lied allemand du tout, n'est-ce pas, même si au niveau de la musique, bien sûr, il y a des affinités, disons, entre Schumann et Fauré, c'est évident, mais du point de vue historique, la mélodie française est plutôt issue, disons, de la romance de salon, c'est un art du salon. C'est un art qui n'a aucune racine populaire et qui par là même, cette mélodie française, disons de Gounod à Poulenc, pour parler grossièrement, a cette fonction historique que je crois très intéressante de représenter un certain moment de la langue française. Et ce moment, bon, il faut le dire franchement, c'est le moment bourgeois. Alors, Sylvie vous a dit tant de choses que je serai extrêmement brève. Je voulais juste attirer votre attention sur l'illustration, qui n'était pas tout à fait le fait du hasard que nous avons donné à notre colloque, c'est-à-dire ce tableau d'un peintre américain originaire de Philadelphie. Et si ce tableau a été choisi par nous, c'est parce que finalement il est extrêmement emblématique de ce qu'on veut faire avec ce colloque, ce qu'on avait fait avec Proust il y a quelques années, c'est-à-dire un véritable travail de collaboration entre la musicologie et la littérature, et là on a même ajouté la peinture, puisque ce tableau représente donc une cantatrice, une vraie cantatrice, donc Veda Cook, qui a eu son heure de gloire aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Elle est morte en 1937. Et donc le peintre, qui était très féru de musique lui aussi, a voulu représenter cette cantatrice au moment où elle chantait. Et vous voyez aussi, puisqu'en fait dans l'illustration le tableau a été coupé, mais je voulais vous le remettre en entier, que vous avez la main du chef d'orchestre qui est en bas et qui était la main d'un vrai chef d'orchestre aussi qui était en activité à Philadelphie à la même époque. Donc il a représenté un concert en mouvement et c'est très bien documenté puisque Hickins raconte qu'il a fait poser la cantatrice en chantant toujours la même phrase, donc qui est une phrase de l'Élias de Mendelssohn, et donc il a essayé de saisir la position de la bouche à un moment, donc en lui faisant répéter ad libitum cette phrase. Donc c'est vraiment de la musique en interprétation, si vous voulez, et c'est ça qui nous a fait choisir ce tableau, parce qu'il me semble qu'il y a vraiment là une rencontre qu'on ne trouve pas tout le temps, même dans les peintres représentant des chanteurs, où ils ouvrent la bouche un peu au hasard, alors que là, ça n'est pas du tout le cas. Par ailleurs, on est dans le domaine anglo-saxon, bien sûr, mais il ne nous est pas interdit de faire un petit pas de côté et de dire que cette cantatrice, Veda Cook, était une proche du poète de Walt Whitman, pardon,
Et donc, elle a elle-même mis en musique, c'est une compositrice aussi, elle a mis en musique des poèmes de Walt Whitman en collaboration avec Walt Whitman. Donc, vous voyez qu'il nous semblait intéressant donc, d'aller explorer et rendre hommage à ce tableau. Et donc, par ailleurs, Hitchens, qui était très intéressé par la photographie, l'a prise en photo, mais pas dans le moment où elle chantait. Donc, c'est le tableau, bien sûr, qui nous intéressait. Et donc, cette notion de collaboration qui a vraiment inspiré notre choix, et Sylvie vous a parlé du commencement, Lalo, terminé par Poulenc, c'était aussi notre choix, puisqu'il semble que collaboration soit un mot-clé pour Francis Poulenc, qui désignait lui-même Apollinaire et Éluard comme des collaborateurs familiers, grâce auxquels il avait enfin trouvé le style lyrique auquel il aspirait depuis longtemps. Et donc, cette collaboration, il l'a trouvée, de grands spécialistes nous en parleront, donc là encore, je suis très brève. Mais je voulais quand même revenir sur ce texte d'Éluard qui s'adresse donc à Poulenc, en lui disant, bon, c'est effectivement très connu, hein, texte de 1945, « Francis, je ne m'écoutais pas, Francis, je te dois de m'entendre. » Et il me semble que dans ce chiasme, « Francis, je te dois de m'entendre », on a véritablement toute la justification de notre colloque, à partir de quel moment le poète sent-on à travers la voix du musicien. On aura deux jours, bien sûr, pour y réfléchir. Peut-être voir aussi la différence entre l'attitude des poètes au XIXe siècle vis-à-vis de la musique, et, ou inversement, d'ailleurs, des musiciens vis-à-vis de la poésie, et celle qui prévaut au XXe siècle, hein, quand Poulenc, lui encore, écrit à Cocteau « Comme c'est agréable de collaborer avec un vivant ». Donc, cette idée de collaboration avec un vivant, où il y aura pas mal de collaboration avec des morts, donc peut-être que là aussi, nous pourrons réfléchir à cette question et à cette association magique qui a présidé au choix de ce colloque. Je vous remercie. Je dois excuser Henri Sépi qui est coincé dans le TGV depuis 7 heures ce matin. Donc, il vient par la gare Montparnasse et comme vous savez, il y a pas mal de problèmes. Donc, je vais commencer cette présidence avec l'espoir qu'il nous rejoigne avant la deuxième communication. Donc, il me revient de présenter Lucia Pasini, qui est docteur en littérature française de la Sorbonne Nouvelle et en musicologie de l'Université de Turin. Elle a soutenu en juin 2023, devant un jury dont certains des membres distingués sont dans cette salle, donc une thèse préparée sous la direction d'Andrea Malvano et la mienne, donc qui s'intitulait « À l'écoute de la poésie, la réception musicale des formes métriques contemporaines 1871-1914 ». Et donc, elle va nous parler de ces relations entre texte et musique qui ont fait l'objet de sa thèse et celle des humanités numériques. Merci. Je vous remercie, Lucia. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie, madame, pour cette introduction et je suis ravie d'être aujourd'hui parmi vous. Ce que je voudrais proposer aujourd'hui, c'est donc une vue d'ensemble sur la mélodie française pendant la Belle Époque et plus en particulier pendant les débuts de la Troisième République, donc entre 1871 et 1914, du point de vue de la réception textuelle, donc de la façon dont les compositeurs mettent en musique des textes. Il s'agit d'une étude que j'ai menée dans le cadre de ma thèse et plus en particulier d'une étude quantitative. Donc je m'en excuse, mais on ne lira pas de poèmes, on n'écoutera pas de musique, on lira des chiffres. Je commence par vous présenter les sources que j'ai utilisées pour construire un corpus. Donc tout d'abord,
Alors. Ouais, ok. Tout d'abord, le répertoire de la mélodie française de François Leroux, que je suis sûre certains et certaines parmi vous connaissent. Une base de données qui fait justement le répertoire de la mélodie française et qui a le grand mérite de prendre en compte toute une partie du répertoire qui n'est pas inquiétée habituellement, c'est-à-dire les mélodies et les morceaux des compositeurs qui sont considérés aujourd'hui comme mineurs ou qui ne sont plus connus et dont on a perdu la mémoire au fil de l'histoire. Deuxièmement, j'ai utilisé le projet Anamètre de l'Université de Caen-Normandie qui fait là aussi le répertoire de la production poétique en vers métrique à partir grosso modo du XVIIIe siècle jusqu'au moment où le domaine public permet de publier des poèmes en entier sur le web. Et je dois préciser que les données que j'ai extraites de ce corpus enfin, cette extraction a été faite avant 2022, donc avant que la base soit remise à jour. Donc, la richesse du répertoire musical est ainsi accompagnée par la variété des poètes, des recueils et des formes poétiques que le compositeur choisisse pour leurs morceaux. Et aujourd'hui, je voudrais interroger ce corpus de deux façons légèrement différentes. Donc, une première façon, du point de vue des auteurs et des poèmes qui sont choisis. Et deuxièmement, je voudrais me concentrer sur les formes poétiques. Donc, je commence par demander quels poèmes sont mis en musique le plus souvent. Alors, ma taille n'était pas exactement comme ça, vous voyez le graphe tout à l'heure. Enfin, mais bon, je crois qu'on va quand même assez bien. Alors, on voit que Verlaine est donc le poète préféré des compositeurs et que son poème La Lune Blanche est choisi 63 fois, ceci évidemment à l'intérieur de la période que j'ai interrogée. Ceci est largement aligné avec l'opinion courante que Verlaine soit un poète, pour ainsi dire, musical. Et la présence non massive mais consistante de poèmes de Hugo, de Musset et de Gautier est également attendue. Mais il est peut-être surprenant de constater le rôle peu éminent de Baudelaire et l'absence de Théodore de Bainville, dont les rondelles en particulier ont pourtant connu une réception répandue auprès des compositeurs. Deuxièmement, on peut se demander quels auteurs sont mis en musique le plus souvent. Et ce n'est pas la même question que se demander quels poèmes ont été mis en musique le plus souvent. On voit ici que donc, les deux auteurs les plus mis en musique sont Victor Hugo et Paul Verlaine, ceux qu'on pouvait déjà approximativement deviner à partir de la représentation que je vous ai montrée tout à l'heure. Mais il faut tout de même prendre garde à ne pas confondre les mises en musique d'un même texte, qui peut être choisi très souvent, avec les mises en musique d'un même poète, dont de très nombreux poèmes peuvent être très peu choisis. Donc ici, les poèmes de Victor Hugo mis en musique pendant la période que j'ai examinée sont plus nombreux que ceux de Verlaine, même si les poèmes de Verlaine sont choisis plus souvent. On peut également s'interroger sur la diachronie, donc sur les changements qui sont perceptibles au fil du temps. Ici, vous voyez un graphe qui représente une première période donc qui va de 71 à 98 et une deuxième période de 99 à 1914. Et vous pouvez voir quels sont les pourcentages de mise à musique de chaque auteur, en sachant que ces pourcentages ont été calculés séparément pour les deux sous-périodes. Donc, on voit que la fréquentation des compositeurs de Baudelaire et de Léconte de Lisle reste à peu près la même, mais les autres auteurs subissent, eux, des changements. Et on peut distinguer entre ceux qui connaissent un abandon progressif et ceux qui, au contraire, sont choisis de plus en plus souvent au fil du temps. Les premiers sont donc Bainville, Gautier et Richepin, mais la chose la plus importante est sans doute celle de Hugo. Et on pourrait expliquer cette situation par un abandon graduel de Parnasse et de la doctrine de l'art pour l'art. Il s'agit bien sûr d'une généralisation grossière, mais puisqu'on se situe au niveau justement du général, les généralisations sont à l'ordre du jour. Et Viollet-Linger a déjà remarqué à raison la diminution de la popularité parmi les compositeurs la popularité de Hugo parmi les compositeurs du début du XXe siècle, en la reliant en abandon justement d'une esthétique qui serait associée à Hugo et qui ferait figure de quelque chose d'un petit peu passéiste au début du XXe siècle. Si on revient ici,
On peut se demander ce qu'il en est des deux poètes, Albert Samain et Paul Verlaine, qui, au contraire, connaissent une augmentation de leur fortune auprès des compositeurs. Donc, en ce qui concerne Samain, son succès plus ou moins soudain s'explique peut-être par le fait que son premier recueil, Au jardin de l'enfante, est publié en 1893 et qu'il est fort improbable que ses poèmes soient mis en musique avant d'être publiés, même s'il s'agit d'un cas de figure qui existe, bien sûr, mais qui reste nettement minoritaire. Néanmoins, cette proposition explique plutôt son absence pendant la première sous-période que son succès pendant la seconde. En ce qui concerne en revanche Verlaine, celui-ci connaît une célébrité de plus en plus poussée à partir de la fin des années 80, qui est accompagnée d'une sorte de mythisation du poète à l'hôpital par la presse, et bien sûr aussi à partir de sa mort en janvier 1896, et des polémiques autour de la publication posthume des invectives en juillet de la même année, qui entraînent aussi une redécouverte des premiers recueils de poètes, ceux datant d'avant 80. Mais au-delà de ces circonstances liées aux auteurs dans leur singularité, on pourrait aussi rechercher une cause commune à ce phénomène d'augmentation de leur fortune, et on pourrait peut-être ramener leur sort favorable à une prédilection ambiante au tournant du siècle pour une esthétique décadente et pour symboliste. Là aussi, bien sûr, il s'agit de généralisations assez, assez grossières. Donc, une prédilection pour ce type d'esthétique, ce qui entraîne, en ce qui concerne Verlaine, une réévaluation de Saturnien et des fêtes galantes au détriment de la bonne chanson, alors que l'œuvre de Samain en entier pourrait être plus ou moins ramenée à une telle esthétique. Donc, j'en viens à ma deuxième partie, donc à la question des formes poétiques. Et on peut se demander, par exemple, quels types de vers sont mis en musique le plus souvent, donc sont choisis le plus souvent par les compositeurs. On constate alors que les deux longueurs métriques les plus fréquemment choisies par les compositeurs sont l'octosyllabe et l'alexandrin. Ces deux pourcentages semblent aller un petit peu à l'encontre de l'idée courante que l'octosyllabe serait particulièrement adapté à la mise en musique en raison de la fréquence de son emploi dans les chansons populaires et de la connotation de légèreté qui en découle. Or, le fait que les deux pourcentages sont très proches l'un de l'autre et le fait que celui de l'alexandrin est plus qu'un tiers de la totalité semble confirmer que l'octosyllabe n'aurait aucune caractéristique intrinsèque qui en ferait une longueur particulièrement musicale. En outre, serait également invalidé le consensus que l'alexandrin serait pour les compositeurs un vers long et beaucoup moins commode que l'octosyllabe. Toutefois, si on compare les données que j'ai extraites de mon corpus avec celles provenant du corpus anamètre, on s'aperçoit d'une différence assez frappante, en sachant que mes données arrivent d'un corpus de poèmes qui ont été tous mis en musique, alors que le corpus anamètre, bien sûr, constitue de la, je ne dis pas de la production poétique de la période en entier, mais ce serait plus ou moins l'idée derrière ce projet. On s'aperçoit alors que la présence des alexandrins parmi les vers choisis par les compositeurs, donc 37%, est considérablement moins importante que leur présence dans le corpus anamètre, qui fait à peu près 60%, ce qui suggère malgré tout que les alexandrins soient désavantageux dans le contexte de la mise en musique. On peut ensuite se demander quelles sont les caractéristiques propres à la production poétique la plus récente par rapport à la période que j'ai étudiée. Et là aussi, il s'agit de se demander, sur la diachronie, quelles sont les conséquences d'un changement considérable qui s'opère à la fin du XIXe siècle dans la production poétique contemporaine, qui, là aussi, il s'agit bien sûr de généralisation, mais qui se tourne vers des formes qui dépassent le vers métrique qui était, disons, le standard de la production poétique plus ou moins tout au long du XIXe siècle jusqu'à le dernier quart du siècle, quand commence à apparaître le poème en prose qui était là, bien sûr, depuis beaucoup plus avant, à partir d'Aloysius Bertrand et de Baudelaire, et le vers libre est libéré. Donc, un moment où le vers métrique devient une option parmi d'autres et non plus l'option privilégié presque automatiquement par les poètes. Donc on peut se demander qu'en est-il de ces bouleversements dans la réception musicale de ces textes. Alors, toute petite parenthèse qui sert à expliquer comment on peut lire ce tableau.
Alors, on se situe dans ma deuxième supérieure, donc à partir de 1899. Les trois groupes de compositeurs, on peut les oublier dans le sens où c'était une distinction qui faisait sens dans le cadre de ma thèse et je l'ai gardé ici simplement parce qu'il m'était impossible de ramener ces données à, un seul groupe. Mais puisque ces résultats vont tous dans la même direction, il ne me semble pas très important de les garder séparés. Alors, le texte exact de Fischer est un test statistique, je vous épargne les détails mathématiques, mais il s'agit de comprendre si deux variables sont ou non dépendantes. Donc si ces deux variables n'ont pas de relation entre elles, ou si au contraire, quand l'une apparaît, apparaît aussi l'autre, ou au contraire, quand l'une apparaît, l'autre n'apparaît pas. Les valeurs que vous voyez, P égale à blablabla, sont des valeurs qui permettent de dire que ces relations que j'ai décrites sont statistiquement significatives. La valeur de P est très très petite, donc ça veut dire grosso modo qu'il est très 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 improbable que ce type de relation puisse être due au hasard, tout simplement, donc qu'il s'agit d'un phénomène significatif. Je reviens à mon propos. Donc, le trait dominant de ces poèmes, donc des poèmes qui ont été publiés entre 1880 et 1914, est assurément le fait qu'ils ne sont pas des suites périodiques, une suite périodique étant une forme poétique ou une période, donc des modules, par exemple en 4 ans rimés AB, AB et répétés périodiquement. Donc si on s'imagine un poème de 3-4 ans, AB, AB, CD, CD, EF, EF, ben voilà une suite périodique. Donc ces poèmes ne sont pas des suites périodiques, et au contraire, il s'agit plutôt de terzerime ou de sonnets, mais les suites périodiques restent nettement minoritaires. Ce qu'on peut se demander maintenant, c'est est-ce qu'il s'agit d'un phénomène également sensible dans la population générale de la production poétique de la période, ou au contraire, n'est-il perceptible que pour les poèmes qui retiennent l'attention des compositeurs ? Mon impression est qu'il s'agit d'un phénomène plus large, et je dis mon impression parce que malheureusement, il n'est pas possible d'extraire du corpus anamètre des données qui soient cadrées temporellement. Donc on peut simplement avoir accès aux données sur le corpus dans son ensemble qui concerne plusieurs siècles, donc ne serait pas significatif par rapport à cette question-ci. Voilà, donc mon impression est qu'il s'agit d'un phénomène plus large et que les suites périodiques se font effectivement de moins en moins communes, alors qu'augmentent les vers longs, les formes comme les terzerime et les sonnets, et les césures irrégulières. En ce qui concerne les césures irrégulières, je voudrais vous présenter ce que j'ai pu constater, à savoir que, voilà, vous voyez là la ligne orange et représente le nombre de césures irrégulières présentes dans les poèmes mis en musique au fil du temps, alors que la ligne verte représente le moment où ces mêmes poèmes, en fait ces mêmes vers avec des césures irrégulières, ont été mis en musique. Donc on voit que les deux lignes se recoupent de façon assez frappante, à une distance à peu près de 10 ans, ce qui est tout à fait normal dans le cadre de phénomènes de réception qui demandent de toute façon un certain temps pour se rendre perceptible. Donc on constate ce décalage, mais on constate aussi que les compositeurs restent plus ou moins assez proches de ce que font les poètes. Je voudrais alors proposer une hypothèse, peut-être un petit peu provocatrice, qui serait de dire que la forme poétique est absolument indifférente au choix des compositeurs. J'exagère. Bien sûr, dans le sens où il ne s'agit que de quelques aspects qui sont indifférents, dans le sens où, par exemple, la présence de césures irrégulières visiblement n'a pas de conséquences, ce qui signifie aussi que le bouleversement rythmique qui est entraîné par la présence d'un rythme qui n'est pas superposable à la régularité métrique n'est pas quelque chose qui est ressenti par les compositeurs comme déterminant dans leur choix de texte. Et on a vu aussi que les formes, les macroformes, ne sont pas non plus déterminantes, dans le sens où, au moment où les poètes abandonnent les suites périodiques en faveur d'autres formes, d'autres formes différentes, les compositeurs suivent. Par contre, ce qui, on l'a vu, est, ou au moins paraît significatif, est la longueur des vers. Parce qu'on a vu que les alexandrins, par exemple,
sont beaucoup moins présents dans le corpus des poèmes Mia Music par rapport à leur présence dans le corpus général. Donc voilà, j'ai voulu vous présenter un petit peu une vision d'ensemble sur la réception musicale des textes poétiques en vers métriques de la fin du XIXe siècle et du début du XXe, et je vous remercie de votre attention. Lucia, on va peut-être enchaîner directement avec l'autre communication et ça permettra de faire une synthèse peut-être des questions. J'imagine que vous avez beaucoup de questions à poser à Lucia vu l'audace de ses hypothèses. Et donc, on pourra peut-être faire des recoupements avec la communication suivante. Et donc, j'ai le plaisir de vous présenter M. Hugo Rodriguez, qui est collaborateur scientifique au Musée des instruments de musique, très très beau musée d'ailleurs, à Bruxelles. Il est docteur en musicologie de l'Université libre de Bruxelles, auteur d'une thèse sur la question du sens en musique envisagée au croisement de la philosophie, de l'histoire des idées et des sciences cognitives. Il mène d'autres recherches sur le comique en musique, les rapports texte-musique et la vie musicale belge. Et il a été co-responsable de plusieurs projets scientifiques et culturels, expositions, etc., dans le cadre du centenaire de la naissance du jazzman belge Toet Tielemans. J'espère que je prononce correctement. Donc, il va nous parler donc, de ce qu'un poème fait à ses mises en musique. Donc, c'est exactement dans le droit fil de ce que vient de nous dire Lucia. Et donc, il nous présentera, Lucia nous a fait un panorama absolument vertigineux, là, il nous présentera le cas de l'invitation au voyage de Baudelaire entre mélodie, romance et chanson. Merci beaucoup, merci. Je ne sais pas si ça marche, oui, ça a l'air de bien marcher. Ben justement, je vais vous parler sous une perspective qualitative, donc tout à fait complémentaire à ce que vient de faire Lucia Pasini, avec qui j'aurais bien voulu discuter, parce que j'ai aussi essayé de concevoir cette communication en dialogue avec deux de ces articles, celui sur la question des contraintes formelles qu'exerce le poème sur les mises en musique, et la question aussi provocatrice de « est-ce qu'un compositeur peut se tromper quand il met un poème en musique ?» Alors avec l'invitation au voyage, alors je vais voir si ça marche, si on fait comme ça. Voilà, on n'aura besoin en gros que de ceci, puisqu'on a le poème face à nous, et donc on va pouvoir partir de là. Donc, en fait, l'invitation au voyage, c'est un peu le poème emblème des mises en musique, en tout cas pour le cas de Baudelaire. Si on prend une autre base de données, qui est le Baudelaire Song Project, qui a été mené par Hélène Abbott de l'Université de Birmingham entre 2015 et 2019, eh ben, l'invitation au voyage détient à peu près tous les records. C'est le poème qui a été le plus anciennement mis en musique dans le corpus baudelairien par un ami de Baudelaire qui s'appelait Jules Cressonnois en 1863. Et c'est aussi le poème le plus souvent mis en musique. Je parle de mise en musique, mélodie, mais n'importe quelle forme de mise en musique, bien sûr. Alors, le Baudelaire Song Project en référence 75, j'en ai trouvé 20 supplémentaires. Donc on est à un total de 95 mises en musique entre 1863 et aujourd'hui, ce qui est quand même assez considérable. Du coup, face à cet emblème, j'ai dû revoir mes ambitions quantitatives à la baisse, et aussi pour essayer de rendre la communication plus vivante, plus dialoguante, plus collaborative, ce dont on parlait dans l'introduction, j'ai préféré faire une focale plus qualitative sur deux des mises en musique que vous avez certainement tous en tête, l'une plus proche du domaine de la mélodie, celle d'Henri Duparc évidemment, et l'autre plus proche du domaine de la chanson, celle de Léo Ferré qui date de 1957. Alors ce que je vais faire en fait, c'est que je vais... Voilà, à partir des deux articles un petit peu de Lucia Pasini, d'abord envisager la question des contraintes formelles, sémantiques et pragmatiques, c'est-à-dire du mode d'énonciation que le poème exprime, et voir comment les compositeurs à la fois Duparc et Ferré s'en sortent par rapport à ça, et qu'est-ce qu'une analyse vraiment très détaillée nous apprend sur la façon dont, un petit peu, c'est très schématique hein, bien sûr, ces deux grandes styles de mise en musique, comment ils réagissent face à ces contraintes-là, et je terminerai par cette question de savoir si un compositeur peut se tromper ou pas.
Alors, au niveau de la question formelle, je voulais aborder deux points. La première, c'est la question du style métrique de chant, et la deuxième, c'est la question des interfaces entre les composantes du poème et de la musique. Alors, qu'est-ce que c'est que le style métrique de chant ? C'est un concept qui vient des métriciens français, principalement, qui sont issus de la tradition de Romain Jacobson. Je pense à des gens, d'ailleurs, il est apparu dans les dias de Lucia Pasini, de Benoît de Cornulier, par exemple, ou Jean-Louis Garouy, Romain Benigni, ou Marc Dominici, ou Brigitte Buffard-Moret, qui ont fait beaucoup de travaux là-dessus. En fait, l'idée est très simple, c'est que toute tradition métrique engendre son propre style métrique, c'est-à-dire sa version stéréotypée, sa version saillante, qui est très facilement identifiable, un petit peu comme chaque personne contient en puissance sa propre caricature. C'est le cas avec la tradition métrique orale, qui engendre un style métrique, qui possède des traits, qu'on peut utiliser dans d'autres contextes métriques, et on appelle ça le style métrique de chant. Alors, on a beaucoup parlé des traits de style métrique de chant pour l'invitation au voyage, c'est un des sujets qui a été le plus abordé dans l'exégèse de ce poème, mais ce qui me semble intéressant, c'est qu'en fait, quand on regarde vraiment en détail les traits, on peut les classer en deux catégories. Il y a des traits de style métrique de chant qui sont ce que j'appelle superficiels, et d'autres profonds, et ils remplissent des fonctions différentes. Alors, les traits superficiels, ben, ils sont évidents, hein, c'est les maîtres impairs, donc des pentasyllabes et des heptasyllabes. La polystrophie, donc le fait d'avoir plusieurs types de strophes, ici on a des douzains et des distiques, et une polystrophie également à un autre niveau où il y a certaines strophes qui ne sont pas répétées et d'autres qui sont répétées, ce qui, en termes courants, forme ce qu'on appelle une alternance entre couplets et refrains. Et enfin, la polymétrie, tout simplement le fait d'avoir plusieurs types de maîtres. Ces trois traits sont stéréotypiquement associés à des textes de chansons, de romances, de berceuses, ici le genre importe peu. Mais, comme le disait d'ailleurs Lucia, je la rejoins tout à fait sur cette idée-là, ça n'a pas vraiment d'impact en termes de contraintes sur la mise en musique. C'est plutôt quelque chose qui a une fonction conative, c'est quelque chose qui attire en fait le compositeur. Il y a comme un signalement de « regarder, ce texte est propice à être mis en musique ». Mais ça ne va pas au-delà. Mais c'est néanmoins important, car quand on veut produire un texte qui s'inscrit dans un univers de type chanson-mélodie, c'est important de mettre des traits qui sont saillants, superficiels, sans nuance péjorative dans ce terme-là. Et ensuite, on a des termes qui sont plus profonds, des traits, pardon, qui sont plus profonds. Et ceux-là, par contre, ils exercent, ils sont moins visibles, ils n'ont pas de fonction signalétique, mais ils exercent une contrainte. Alors ici, il y en a, dans l'invitation au voyage, on en a trois aussi. On a une absence d'alternance en genre rythmique entre un refrain et le couplet suivant. Normalement, dans la poésie tout à fait classique, il faut passer d'une rime masculine à une rime féminine, une rime masculine, une rime féminine. Et vous voyez qu'ici, entre volupté et puis meuble luisant, ou entre volupté et voix sur ses canaux, on a des rimes masculines. Alors, quelle est la conséquence de ça en termes de mise en musique ? C'est que ça incite, ce n'est pas du tout quelque chose, quand je dis contrainte, ce n'est pas quelque chose de légal, hein, c'est quelque chose de tout à fait incitatif plutôt, ça incite à considérer cette frontière-là comme quelque chose, une frontière plus forte que la frontière où l'alternance en genre est respectée, et donc à envisager les deux strophes comme une unité et à permettre de reproduire la même mélodie pour le duo couplet-refrain. Ben, la conséquence de ça, c'est que derrière la polystrophie entre douzains et distiques, on a une monostrophie qui est implicite, c'est-à-dire que chaque paire de couplet-refrain forme une unité et qui donc peut être adapté à une seule même unité musicale, ce qui va être le cas dans la plupart, pas toutes, mais la plupart des mises en musique de l'invitation au voyage. Et enfin, on a, à l'intérieur des douzains, on a des modules métriques, c'est-à-dire des unités de niveau intermédiaire de mètres, qui sont constituées de trois vers, 5, 5, 7, on appelle ça en termes, dans le jargon des métriciens, un module polymétrique en position de closule par allongement. Bon, c'est un peu jargonnant, mais au moins c'est assez clair. Ça veut dire que vous avez à la fin un mètre qui fonctionne de closule et qui est plus long que, que le mètre initial. Et ça, c'est très rare, en fait, dans la métrique du 19e siècle. D'habitude, le type de module, on a 7, 7, 5. Ça, c'est beaucoup plus fréquent. Et en fait, les quelques poèmes où on rencontre un module pareil, ils ont tous été, enfin ceux que j'ai trouvés en tout cas, peut-être qu'il y en a d'autres, tous étaient écrits entre 1849 et 1855. 1855, c'est l'année probable de rédaction de l'invitation au voyage. Il y a une chanson de Gustave Nadeau qui s'appelle Le quartier latin. Il y a un poème de Marceline Desbordes-Valmore que Baudelaire admirait beaucoup qui s'appelle La petite pleureuse à sa mère, et qui contient d'ailleurs beaucoup de parallèles sémantiques avec l'invitation au voyage. Et enfin, une berceuse d'Auguste Chatillon, qui a été également mise en musique par Pauline Viardot. Donc vous voyez qu'on est dans quelque chose
où on est vraiment dans une tradition liée à la métrique de chant. Donc voilà pour cette espèce de dimension qu'est le style métrique de chant. Maintenant, si on passe aux interfaces, qu'est-ce que j'entends par interface ? C'est une relation formelle qui unit deux des trois composantes d'une mise en musique. Alors vous allez me dire, trois composantes, non, c'est un texte et une musique. Mais là, c'est une prémisse de laquelle je pars, c'est qu'un texte avec des vers, il ne faut pas le considérer comme une unité en soi. Je ne pense pas que la poésie soit une forme de langage à part. Il y a une dimension linguistique, avec tous les paramètres courants de n'importe quel énoncé linguistique, et puis il y a un niveau de structure qui s'ajoute à ce niveau linguistique, qui est le niveau métrique. Et puis il y a un troisième niveau de structure, qui est le niveau musical. Et pour étudier une mise en musique, en tout cas sur le plan formel, voilà, je suggère de partir d'une vision tripartite et non pas binaire de l'objet formel. Alors, pour analyser les interfaces entre les mises en musique, j'utilise une méthode, en tout cas une proposition méthodologique en deux temps. Je pars de la musique seule, en fait, et je prends des paramètres que je choisis, pas tous évidemment, parce que je ne peux pas tous les faire, mélodie, rythme, prosodie, harmonie, etc. Et je les analyse sans aucune considération pour le texte. Et puis, seulement après, j'analyse le texte tout seul, et puis je réunis les deux. Pour essayer de qualifier un petit peu cette façon de procéder, on peut la rapprocher de ce qu'on appelle la rétro-ingénierie. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est une méthode qui est très utilisée dans diverses sciences, notamment des sciences de l'ingénieur, mais aussi en informatique. C'est l'idée de refaire un processus de construction, de composition, mais à l'envers, d'où le terme rétro. On part du résultat final, de la mise en musique, et puis on remonte les étapes. Il y a eu la musique qui a été composée, et puis il y a eu le texte, et on remonte à la source. Et comme ça, on refait le travail de création du compositeur, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Voilà, le sémioticien Jean-Jacques Nattier, il parle aussi de poétique inductive. Il a théorisé aussi cette façon de procéder. Mais voilà, moi j'appelle ça rétro-ingénierie, enfin, finalement le terme importe assez peu. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris trois interfaces. Je vais juste vous montrer les données. Bon, désolé, je n'ai pas encodé ça dans MuseScore. J'ai pris l'interface entre la mélodie et la métrique, donc j'ai fait ce qu'on appelle une analyse paradigmatique, ceux qui connaissent, ça vient d'un chercheur qui s'appelait Nicolas Ruet, où j'ai essayé de diviser les mises en musique de Duparc et Ferré en fonction des différents motifs qui les composent, et puis j'ai accolé cette structure motivique avec la structure métrique. Le deuxième interface auquel je me suis intéressé, ça c'est le résultat final, je vous en parle dans un instant. Le deuxième interface, c'est l'interface entre le rythme musical et la syntaxe, c'est-à-dire que j'ai isoler tous les motifs rythmiques en fonction des règles d'une théorie qu'on appelle la théorie générative de la musique tonale de Fred Lerdar et Ray Jackendoff, qui sont des règles de découpage d'un segment rythmique en fonction de travaux de psychologie du rythme. Et je les ai associés aux diverses constituants syntaxiques qui sont eux aussi marqués prosodiquement, par exemple graphiquement par la ponctuation. Et enfin, donc je l'ai fait pour Duparc, je l'ai fait pour Ferré, et enfin, je me suis intéressé à l'interface entre la mélodie, de nouveau, et la prosodie du texte, cette fois, c'est-à-dire à la fois l'accentuation, les syllabes accentuées, et la direction mélodique des accentuations syllabiques. Est-ce que c'est une syllabe montante? Est-ce que c'est une syllabe descendante? Est-ce qu'une syllabe accentuée dans le texte tombe sur un temps fort ou pas? Voilà, donc ça, à la limite, peu importe le détail, j'aurais bien voulu le tester si j'avais le temps, mais je ne l'ai pas. Je vous livre les résultats, je dirais, en bloc. En fait, ce qui est intéressant, c'est que on a une vraie différence et en même temps une vraie similarité. C'est-à-dire qu'au niveau de l'interface entre la musique et toute composante métrique, on a, et dans le cas de Duparc et dans le cas de Ferré, une concordance quasiment parfaite. C'est-à-dire à toute unité mélodique correspond une unité de la structure métrique du poème. C'est vraiment assez massif. Ce n'est pas tout à fait total, mais c'est très très massif. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que dans chaque cas, le matériau motivique est quasiment identique. On a 5 motifs fondamentaux chez Duparc et 4 chez Ferré. La seule différence, mais elle est de taille, vous le voyez dans la différence d'analyse paradigmatique, c'est que chez Duparc, il y a une variation, une transformation, il travaille ses motifs de manière beaucoup plus importante que Ferré, qui ne fait que les répéter. Mais finalement, le matériau motivique est quasiment identique et la concordance est dans les deux cas massive. En revanche, dans ce qui est des interfaces entre un paramètre linguistique, par exemple la syntaxe ou la prosodie de la langue, et la musique, là, il y a une grande différence entre Duparc et Ferré. Par exemple, dans l'interface entre mélodie et prosodie, on a 57% de concordance chez Duparc, entre une composante mélodique et une composante prosodique, et seulement 27% chez Ferré. Et alors, dans l'interface entre les motifs rythmiques et les constituants syntaxiques, on a une correspondance massive chez Duparc, 85%. Il colle vraiment, il épouse la ligne syntaxique du texte.
Et par contre, chez Ferré, ben là, je trouve que je ne suis pas satisfait de la façon dont j'ai compté. Il faudrait que je revoie ça. J'ai 75% de correspondance, mais en fait, c'est parce qu'il y a des cas où Ferré a des motifs très grands, où il y a plusieurs constituants syntaxiques qui ne sont donc pas marqués par la musique. Et je pense que pour moi, il faut les considérer aussi comme une forme de discordance, puisqu'en gros, ils noient le flux syntaxique et donc prosodique dans des motifs englobants. Et ça, il faudrait les recompter pour pouvoir aboutir à un chiffre qui serait beaucoup moins élevé que 75%. La question, c'est comment interpréter ces résultats ? Ben, je propose deux pistes. Alors la première, ben, c'est une piste qui pourra paraître triviale, mais qui, je pense, aussi le mérite d'être faite par une méthode qui est transparente et sans présupposé de départ. C'est qu'en fait, l'esthétique de la mélodie française est une esthétique qui va privilégier le contact très étroit avec la langue du texte, ce qui n'est moins le cas, pas du tout le cas, mais moins le cas avec l'esthétique de la chanson. Mais ce qui est intéressant, c'est que parfois on a tendance à simplifier les choses en disant que la mélodie respecte le texte. Non, sa spécificité, c'est de respecter la langue du texte. La métrique du texte, elle est respectée, elle est en concordance de manière assez massive dans plusieurs genres, dont la mélodie, mais aussi la chanson, mais aussi la romance. Donc voilà, peut-être apporter une certaine nuance. Et la deuxième, c'est une piste aussi hypothétique, c'est la question de... D'ailleurs, ce serait intéressant de faire des statistiques avec des p-values, là, comme Lucia a fait. Est-ce qu'il y a une corrélation entre le degré de complexité du matériau musical et le degré de concordance dans les interfaces entre musique-texte? Autrement dit, est-ce que plus une musique devient complexe, plus elle a de chances d'être en concordance et avec la métrique et avec la langue, et vice-versa? Je n'ai pas la réponse, parce qu'il se pourrait que la corrélation que je vous montre ici soit pas du tout une vraie corrélation, en fait. Pour la métrique, je pense que ce n'est pas le cas, parce qu'on a une mise en musique avec un matériau très très simple et une mise en musique avec un matériau très compliqué, très complexe, et il y a une concordance métrique massive dans les deux cas. En revanche, avec la langue, il y a une différence. Mais est-ce que cette différence, elle est corrélée au degré de complexité? Je ne sais pas, mais je pense que l'hypothèse mérite d'être examinée. Alors ça, c'est pour le côté formel. Maintenant, pour le côté énonciatif, ben, voilà, l'invitation au voyage, comme son nom l'indique, c'est une invitation, c'est-à-dire c'est un discours. Ce n'est pas seulement un poème, c'est-à-dire c'est quelqu'un, le poète, qui dit quelque chose à quelqu'un. Et ça, ça entraîne toutes sortes de propriétés sémantiques et pragmatiques qui, elles aussi, font office de contraintes rhétoriques, je dirais, sur la mise en musique. Alors, quelle est la trame de ce discours? En fait, c'est une trame qui est à la fois claire et confuse. Elle est claire parce que voilà, le poète dit quelque chose de très clair, il fait ce qu'on appelle un acte de discours délibératif, il vise à inciter une femme, la femme qu'il aime, à accomplir certaines actions, donc à le suivre dans un voyage plus ou moins imaginaire, plus ou moins réel. Mais à l'intérieur de cette invitation voyage, il y a une confusion constante qui est organisée dans toutes sortes de paramètres sémantiques. Déjà, Baudelaire change en permanence le type d'acte illocutoire qu'il exprime. Parfois, il donne un ordre, qu'on appelle un acte directif, songe à la douceur, voit sur ses canaux, et parfois, il se met à décrire, il asserte. Il dit, regarde, il y a ceci dans le pays imaginaire, il y a ceci, il y a cela. Il change aussi de focalisation. Je mettais à la fin, d'ailleurs, un tableau qui permettait de résumer ceci. Voilà. Il change de focalisation. C'est-à-dire qu'au début, il se focalise, il parle à la femme aimée, puis il parle de lui, puis il parle du couple, puis il reparle de la femme aimée, et puis, dans la dernière strophe, il se focalise sur le pays idéal. Et alors, surtout, il change ce que j'appelle les accès, c'est-à-dire la façon dont est exprimé le contenu décrit dans le texte. Soit, alors j'ai mis ici perceptuel ou épistémique, vous pouvez remplacer par intellectuel ou sensoriel, si c'est plus clair, c'est-à-dire soit il décrit le contenu comme si lui et la femme étaient en train d'avoir l'expérience de ce contenu, hein, en disant, voilà, il voit les canaux, voit, avec par exemple le verbe voir, soit il le décrit dans des termes où la femme et lui se représentent mentalement. Par exemple, quand il parle au conditionnel dans la deuxième strophe, ou quand il demande « songe à la douceur ». Il ne voit pas la douceur, il ne fait pas l'expérience de la douceur quand il lui dit de songer à la douceur. Il y a des exégèses qui ont dit que ça venait du fait que Baudelaire a essayé de reproduire une expérience psychotrope où les sens et la raison se mélangent. Je pense que c'est assez juste, mais ici je ne m'intéresse pas aux origines biographiques du poème, mais je pense qu'il y a quelque chose de vrai dans ce qu'on appelle le sens achichien de l'invitation au voyage. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que ben voilà, toutes ces fluctuations, elles sont des paramètres du texte et elles ont des conséquences sur les mises en musique. Alors, lesquelles? Et je terminerai par là. Ben, chez Duparc, vous l'avez tous en tête, je suppose, il n'y a pas besoin de faire écouter sa mise en musique, il raconte l'histoire de l'invitation au voyage. C'est-à-dire qu'on suit du début, au milieu et vers la fin
le déroulement de l'acte de persuasion où il essaye d'inciter la femme à le suivre. On part de quelque chose de plus sombre, de plus ténébreux, et on arrive à la fin vers quelque chose de plus lumineux. L'accompagnement change, l'harmonie change énormément. Je pense qu'on a aussi une influence opératique assez importante du parc était wagnérien. Je me demande d'ailleurs quelle connaissance il pouvait avoir de Tristan et Isolde quand il a écrit sa mélodie en 1870. Mais en tout cas, il y a vraiment clairement une origine opératique qui a d'ailleurs été exacerbée par Emmanuel Chabrier dans sa propre mise en musique la même année, composée la même année juste après celle de Duparc. Et alors évidemment, une conséquence de ce choix, c'est que... puisqu'il épouse à ce point-là, je dirais, la progression sémantique et énonciative du texte, ça va de pair avec le fait qu'il épouse chaque inflexion formelle de la langue et de la métrique du texte. Mais alors, ça veut dire que pour que ça reste relativement clair, d'un point de vue du sens exprimé, de la façon d'exprimer le rendu musical de la mise en musique, la fluctuation permanente des accès devient un problème. Et à mon sens, c'est pour ça qu'il supprime la deuxième strophe. Et c'est pour ça que, par exemple, Violet d'Angers a écrit un article où elle dit que Duparc s'est trompé en supprimant la deuxième strophe. Je pense que non. Je pense que, justement, il a bien fait de supprimer la deuxième strophe dans le contexte des choix esthétiques qui ont été les siens, de coller de très très près à la trame narrative de l'invitation et à sa structure linguistique. Je pense que c'était une idée judicieuse, à plus forte raison que quand on regarde le corpus des mises en musique, sauf erreur de ma part, si certaines m'ont échappé, à chaque fois qu'un compositeur a supprimé une strophe, il a supprimé la seconde. Georges Hu, Paul et Lucien et le Macheur, Benjamin Godard ou Yves Castagnet. Je n'ai jamais rencontré de cas, mais peut-être est-ce qu'il en existe, où une autre strophe a été supprimée, alors que ça aurait été tout à fait possible. Chez Ferré, c'est complètement différent. Il adopte un style de valse très simple, presque une musette lente. Et donc, il n'y a pas du tout de volonté de linéarité, de narration de la trame de l'invitation au voyage. Qu'est-ce que ça a comme conséquence ? C'est-à-dire que toute l'incohérence, les fluctuations contenues dans le poème, il les laisse telles quelles. Il se contente de présenter, en fait, le poème tel qu'il est, puisque cette mise en musique n'ajoute pas de difficultés, de méandres linéaires. Elle laisse l'incohérence, enfin, l'incohérence n'est pas péjoratif, hein, vous comprenez ce que je veux dire, du poème tel quel. C'est comme s'il nous la portait sur un plateau. Et la deuxième conséquence de ça, c'est qu'en fait, Ferré, ce qu'il nous dit à travers cette mise en musique de valse très très simple, c'est en fait simplement le refrain. En fait, il nous dit, il met en musique luxe, hors de beauté, luxe, calme et volupté. Il ne met pas en musique les différentes étapes de progression de l'histoire qui mène vers ce pays imaginaire d'ordre, beauté, luxe, calme et volupté. Donc en résumé, Ferré nous parle du pays imaginaire paradisiaque, tandis qu'Henri Duparc nous parle de l'invitation et du voyage qui y conduit. Ferré y dépeint une atmosphère, un vécu, et Duparc représente un processus, une dynamique, une histoire. Mais dans les deux cas, ces deux dimensions-là sont contenues dans le poème de Baudelaire. Et c'est pour ça que la question de « est-ce qu'un compositeur peut se tromper ?» Bon, voilà, je pense que Duparc ne s'est pas trompé, mais ça, c'est mon opinion personnelle qui n'engage que moi. Il faut essayer de vraiment comprendre quel est le sens de cette question. Et voilà, j'ouvrirai trois interprétations possibles de ce concept de « se tromper ». Qu'est-ce qu'on entend par là, quand on parle de se tromper ? Bien sûr, on entend quelque chose qui doit toujours être replacé dans un contexte, ce que j'ai essayé de faire, un contexte personnel et esthétique. Mais ça peut vouloir dire trois choses. Est-ce que ça peut être une erreur esthétique ? Est-ce qu'une faute de goût ? Est-ce que ça peut être une erreur sémantique ? On a mal traduit un aspect, traduit en musique, un aspect du poème. Et plus grave, est-ce que ça peut être une erreur épistémique ? C'est-à-dire, est-ce qu'on dit le faux ? Est-ce qu'on dit quelque chose de faux en prétendant que c'est ce que Baudelaire dit ? Évidemment, si on trouve quelque chose de ce point de vue-là, ça pourrait être très intéressant. Est-ce que la musique peut dire quelque chose de faux quand elle met un poème en musique ? Je n'ai pas la réponse, évidemment, mais je pense, et je rejoindrai par là Lucia, que en fait, ce qu'il faudrait essayer de faire maintenant, ce sont des études un peu plus empiriques, quantitatives ou expérimentales, avec des sujets vivants. Je pense qu'on pourrait essayer d'interroger des gens sur ces questions de mise en musique, d'erreurs et d'interface formelle. Je pense que l'étude sur la mélodie française aurait beaucoup, beaucoup à y gagner. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette très brillante communication et extrêmement enrichissante. Donc j'imagine qu'il y a beaucoup de questions à partir des hypothèses qui viennent de vous être présentées.
Et donc, je vais peut-être, puisqu'il nous reste une dizaine de minutes avant la pause, donner la parole à la salle. Est-ce que vous auriez des questions ? Oui, c'est une question et c'est aussi une remarque qui me permet d'anticiper sur ma propre intervention. Vous avez dit, je m'adresse à Lucia, vous avez parlé de la question du choix du type de poèmes qui ont été mis en musique. Et dans cette période, alors vous avez fait mention très rapidement de vers libres et de poèmes en prose, mais on ne peut pas se contenter d'y faire allusion rapidement parce que c'est la période où ces questions ont été extrêmement débattues. Il a été beaucoup question, peut-être plus qu'il n'en a été écrit encore, de poèmes en prose et de vers libres. La querelle du vers libre, hein, c'est dans les années 85-90, et en 91, Francis Vielli-Griffin écrit « Le vers est libre ». Or, il me semble que la quantité « or » est au nom de quoi certains poètes, et non des moindres, réclamaient le poème en prose, hein, je pense à Baudelaire, évidemment, ou le vers libre, au nom de quelque chose qu'ils appelaient « musique ». Musicalité. Or, ce qui est frappant, c'est que la réponse des musiciens sur ce point a été assez mince et assez tardive. C'est-à-dire que les musiciens et les œuvres du type mélodie prenant en compte des poèmes en vers libre et des poèmes en prose sont extrêmement rares, hein, par rapport à tous ces poèmes en vers syllabiques, métriques, rimés, hein, en gros, pour aller vite, même si certains sont peu métriques, continuent à dominer. Ce qui me semble, continue à me poser une certaine question. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une convergence entre ce que les poètes entendaient par musique, hein, et la musique au sens où nous l'entendons. Hein. Et d'ailleurs, Mallarmé, je termine là-dessus, quand il parle de la musique entendue au concert, hein, il dit très clairement que ce n'est pas de cela qu'il est question. Alors, pour Mallarmé, c'est assez spécifique, il est question de l'idée. Il dit la musique, appelez-la simplement l'idée, avec un grand I. Donc, c'est tout autre chose. Mais Théophile Gautier, hein, parlait, et je termine là-dessus, Théophile Gautier appelait à entendre quelque chose comme ce qu'il appelle, c'est dans Spirit, le non-sorti du langage humain. Et ce non-sorti du langage humain, je crois que c'est ça qui interrogeait les poètes, qu'ils attendaient des musiciens qu'ils les aident à sortir, à entendre ça, hein, pour reprendre le mot d'Éluard, hein, entendre ce que eux voulaient sortir et qui n'était pas sorti du langage humain, qu'ils essayaient de sortir dans leurs vers, quelquefois dans leur prose ou leur vers libre, et qu'ils n'avaient jamais réussi à entendre. Ils attendaient peut-être des musiciens, mais ils n'ont pas tellement eu la joie de l'entendre, je pense. Enfin, la joie, j'en sais rien. Sur les vers libres et les poèmes en prose. Oui, alors, la question du vers libre, du poème en prose, a été délibérément écartée de mon propos au tout début. La raison était une difficulté méthodologique, dans le sens où, comme vous avez pu le voir, j'ai mené une étude éminemment quantitative, et on ne peut pas quantifier le vers libre et le poème en prose de la même façon dont on quantifie des vers métriques, dans le sens où compter les syllabes
dans des poèmes de vers libre n'a pas beaucoup de sens. Compter les syllabes d'un poème en prose, encore moins, peut-être. Et donc, ces objets se présentaient comme coriaces à mon approche méthodologique. Puisque, comme vous le dites, il s'agit de phénomènes minoritaires, j'ai pu les écarter sans trop de regrets. En même temps, même s'il s'agit de questions, disons, quantitativement minoritaires, qualitativement, elles ne le sont pas du tout. Donc, bien sûr, elles méritent d'être prises en compte aussi parce que, effectivement, si on se propose de dresser, comme j'ai voulu le faire, un panorama de la mélodie française à la même époque, ces objets-là existent. Le fait qu'ils sont minoritaires n'est pas une justification pour les écarter complètement. Je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. Et ce que je crois aussi très rapidement que ce que vous dites par rapport au fait qu'il n'y a pas de convergence entre ce que les poètes signifient quand ils disent musique et la musique, je crois que c'est tout à fait juste. Le cas de Mallarmé est bien sûr exceptionnel, mais là aussi, ce sont des questions qui prennent la problématique à l'envers et qui par conséquent demandent là aussi une approche différente de celle que j'ai pu développer dans le cadre de ma thèse dont est tirée cette intervention. Merci. Une autre question ? Oui. Oui, simplement pour donner une petite piste à Hugo Rodriguez sur le fait de l'erreur dans l'interprétation. Alors là, moi, étant interprète, je me place en tant qu'interprète. Il y a chez Poulenc un certain nombre de poèmes, en particulier d'Apollinaire, où, quand on regarde bien à l'intérieur de la mise en musique, on se rend compte que ce n'est pas du tout le sens du poème qui est mis en musique. Et alors après, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'interprète ? Là, je ne vais pas entrer dans les détails, mais qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on respecte l'interprétation erronée, si elle l'est, du compositeur ? Ou est-ce qu'on essaie de mélanger le sens du poème d'Apollinaire avec ce que le Poulenc en a fait ? Le poème auquel je pense, c'est du cycle de Poulenc qui s'appelle Banalité et qui est Sanglot, qui était un des grands tubes de Poulenc. Beaucoup de jeunes interprètes adorent ça parce que ça permet de pleurer. Et comme vous savez, quand on est adolescent ou post-adolescent, comme sont souvent les jeunes chanteurs, pleurer, il n'y a rien de mieux. Parce qu'on pense qu'on va faire pleurer les autres en pleurant soi-même. Bon, peu importe, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Mais le poème de Sanglot d'Apollinaire est un poème de protestation qui, d'une certaine manière, dit « arrêtez de pleurer ». Ça ne sert à rien, nous sommes humains tous, donc vous n'avez pas besoin de montrer que vous êtes plus humain que les autres. On comprend assez. Or, Poulenc fait pleurer vraiment sa mélodie. Et d'ailleurs, il en était conscient, puisque quelques temps après, il a écrit dans son journal de mélodie « J'ai fait trop de Poulenc dans cette mélodie ». Voilà, donc ça peut vous donner quelques idées sur... Merci beaucoup. Donc, si je comprends bien, il n'avait pas de volonté humoristique, alors, Poulenc, en mettant ce premier degré musical face à ce second degré d'Apollinaire. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que chez Offenbach, par exemple, il y a pas mal de choses comme ça. Il y a des airs qui sont d'une musique magnifique qui pourrait figurer dans un air de prima donna italienne, alors qu'en fait, vous connaissez ça très bien. Oui. Vous avez beaucoup interprété. Non, je pense que quand Poulenc veut être humoristique, il sait très bien faire. Et là, d'accord. Non, visiblement pas. Et vous, comment est-ce que vous avez repéré cette erreur-là ? Comment vous êtes dit en tant simplement parce qu'il y avait quelque chose qui m'étonnait toujours quand on termine un poème en disant « Laissons tout aux morts et cachons nos sanglots » et qu'on entend une phrase qui pleure. Je me suis dit « C'est quand même étonnant, c'est étonnant ». Mais Poulenc il y a beaucoup d'énigmes comme ça qui n'ont jamais été dites ni par l'interprète principal qui est Pierre Bernac, qui a quand même créé presque toutes les mélodies. Et par exemple, dans le grand cycle, là c'est encore Apollinaire, donc peut-être il y a un objet là sur Apollinaire Poulenc.
ce qu'a d'ailleurs très bien dit Hervé Lacombe, c'est-à-dire Apollinaire, c'est le poète qu'il a rencontré quand il avait 18 ans, Poulenc, et donc c'est la nostalgie de cet âge-là, certainement. Ah, mais ce n'est peut-être pas suffisant non plus. Dans Calligramme, qui est un autre grand cycle, mais beaucoup plus tardif, l'avant-dernière mélodie, qui s'appelle aussi bien que Les Cigales, il y a une explosion, mais énorme au piano à la fin, alors que Apollinaire dit la joie adorable de la paix solaire. Et pendant des années, je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que Poulenc fait une explosion comme ça? Jusqu'à ce que dans une biographie d'Apollinaire, on explique que les cigales, c'était un nickname, comme on dirait en anglais, pour des grenades de la guerre de 14, à cause de leur bruit. D'où, vraisemblablement, l'explosion. Mais comme ni Bernac ni Poulenc n'en parlent, et qu'aujourd'hui on ne sait plus ce que c'est que des cigales au sens grenade, ben voilà, l'explication, il faut la trouver, il faut la chercher. Oui, ça prend souvent pas mal de temps pour la trouver. Et là, merci à la biographe dont j'ai oublié le nom, qui a enfin mis le doigt là-dessus. Merci beaucoup. J'aimerais moi aussi revenir sur le cas Mallarmé, donc en posant la question à vous deux, aux deux intervenants, mais principalement à Lucia Pasini, puisque vous nous avez dit qu'au fond, Mallarmé était peu mis en musique, 1% dans les graphiques que vous nous avez montrés. Or, s'il y a bien quelqu'un qui essaie de penser une idée musicale de la poésie, c'est bien Mallarmé, bien sûr. Alors, il faudrait se demander pourquoi, au fond, lui qui ne cesse d'insister sur la poésie comme musique n'est pas mis en musique aussi souvent que Verlaine, par exemple, ou d'autres. Et mon hypothèse, que je développerai peut-être cet après-midi, c'est que Mallarmé n'offre pas aux musiciens des motifs linguistiques immédiatement musicaux, comme il y aurait en peinture des motifs immédiatement pittoresques chez les poètes, mais il demande aux musiciens de changer la langue musicale aussi profondément qu'il a changé lui-même la langue poétique. Et donc, dans ce moment bourgeois de la langue, disait Barthes tout à l'heure, le phrasé de Mallarmé est volontiers et délibérément cacophonique. Il n'est pas mélodique aussi immédiatement qu'est mélodique un vers de Verlaine. Et donc, il invite les musiciens à eux aussi casser le cours ordinaire de la mélodie. Et Ravel et Debussy vont, à leur façon, répondre à ce besoin révolutionnaire, en quelque sorte, en risquant une révolution subtile. Mais, en fait, le moment Mallarmé en musique, il viendra beaucoup plus tard, dans ces délais de réception, dans ces retards de réception qui font la vie des œuvres, il viendra avec Boulez, qui, lui, alors cassera le langage musical pour répondre à plusieurs décennies de distance à ce que Mallarmé avait fait avec la langue du poème. Merci, c'est très intéressant et j'ai hâte de découvrir votre intervention. Je me suis posé la question de pourquoi Mallarmé est à 1%. Il n'est pas le seul, mais il est... il saute aux yeux que Mallarmé est à 1%. Et la première hypothèse que j'avais formulée est beaucoup plus banale par rapport à la vôtre, et c'est-à-dire que Mallarmé, globalement, on n'y comprend rien. C'est-à-dire qu'il y a une barrière d'entrée dans les poèmes de Mallarmé qui n'est pas là dans le cas, par exemple, de Verlaine. Ce n'est pas pour dire que les poèmes de Verlaine sont simples et que tout est affiché, mais une compréhension, si vous voulez, de premier degré est plus aisément atteignable que chez Mallarmé. Et les compositeurs ne sont pas ne lisent forcément pas la poésie comme le font des poètes. Donc, en ce sens-là, peut-être ne recherchent pas nécessairement, n'ont pas nécessairement envie de dépasser cette première barrière.
Peut-être il y a aussi, alors je ne sais pas si c'est le cas pour Mallarmé, mais je crois qu'il faudrait aussi interroger un petit peu l'histoire éditoriale de, voilà, de certains poètes. Donc, par exemple, un autre poète qui est très peu mis en musique pendant la période que j'étudiais et qui au contraire connaît ce moment musical un peu plus tard est bien sûr Rimbaud. Et là, bien, Rimbaud n'a pas été publié pendant à peu près 20 ans, plus ou moins, après le moment où il a rédigé ses poèmes. Donc là aussi, il y a forcément un délai qui s'impose parce que ses poèmes n'étaient pas disponibles au public. Il y a aussi, je pense, là aussi, je ne sais pas si c'est le cas de Mallarmé, mais la publication a revu par rapport... est-ce que la publication à revue de certains poèmes serait un phénomène qui aurait des conséquences en termes de la réception musicale par rapport à la publication à recueil? Je ne sais pas, c'est une question que je me pose. Et là aussi, je ne sais pas si c'est le cas de Mallarmé. Par rapport à ce que vous dites, votre hypothèse plutôt, disons, esthétique, plutôt que voilà, d'histoire, de poétique historique du support, comme dirait Marie-Ève Terenti, Elle me semble tout à fait intéressante. Je devrais y réfléchir pour vous donner une opinion qui fait du sens. J'ai moi-même rencontré une difficulté par rapport à Mallarmé quand je me suis approchée à la mise en musique de Ravel de Sainte. Mais là aussi, il me semble qu'il n'y a pas qu'une façon de comprendre Mallarmé et que la façon dont on choisit de comprendre Mallarmé ou la façon dont on choisit de croire que Ravel a compris Mallarmé joue dans les conséquences que vous évoquez au moment où l'interface entre la langue et la musique se fait sensible. Bien, eh bien, je crois que je vais vous inviter à prendre une petite pause qui vous permettra de réfléchir à tout ce qu'on vient de dire. Et on reprend dans un petit quart d'heure. Merci beaucoup.
Bonjour à tous et toutes. Je vais aborder cette deuxième séance. Je suis le modèle de la première séance, c'est-à-dire on ira avec les communications et après l'espace pour les questions. Je commence avec Philippe Blais. En fait, c'est pas évident de le présenter ici en quatre mots, surtout à Paris, face aux musicologues. Mais en fait, il est conservateur en chef à la Bibliothèque nationale de France. Il a consacré ses recherches au théâtre lyrique en France sous la Troisième République et surtout au compositeur Reinaldo Hahn, dont il va nous parler, okay, il a consacré récemment une monographie qui est déjà devenue un point de repère pour les éditions Fayard. Et donc, il a édité le journal paru par Gallimard en 1922. Donc je lui laisse tout de suite la parole pour sa communication qui s'intitule « Création d'un parcours poétique et musical, Reinaldo Hahn et l'art du cycle ». Merci. Il s'agit ici d'analyser l'agencement des cycles de mélodies écrits par Reinaldo Hahn sur des textes de poètes français, de les examiner d'un point de vue morphologique, sans aborder la question de la mise en musique effective des vers, de la prosodie en elle-même. Comment Hahn conçoit-il les formes musicales composites et les ensembles sémantiques variés qui constituent ces cycles ? Comment articule-t-il sa vision de cette composition globale avec sa conception de la mise en musique d'un texte poétique dans laquelle, selon lui, le matériau littéraire doit être prédominant et la musique obligatoirement soumise à celui-ci. N'écrit-il pas dans son journal, autour de 1900, « Le rôle de la musique dans une mélodie ne devrait pas excéder celui de la rampe dans une pièce de théâtre ». Bien entendu, cet exposé aurait demandé énormément d'exemples musicaux et je ne pourrais pas vous les faire entendre, je m'en excuse. Cela aurait dépassé le cadre de ma communication. Examinons d'abord le corpus constitué par les cycles de mélodies de Hahn. Si l'on s'en tient aux mélodies éditées, il commence avec ses chansons grises, éditées chez Eugel en 1893. Ce premier cycle est suivi de 8 autres, jusqu'aux Five Little Songs de 1917. 3 sont composés sur des poèmes en langue étrangère, en bleu dans le tableau, en vénitien pour Venezia, en anglais pour les mélodies sur des poèmes de Mary Robinson et de Stevenson. 3 cycles font appel au chœur, les 2 plus importants sur des textes en français étant les rondelles et les études latines. Vous pouvez constater que j'ai inclus dans cet ensemble le cycle Sagesse, que j'ai retrouvé dans le fond légué par le compagnon de Hahn, Guy Ferrand, à la Bibliothèque nationale. C'est un cycle qui a été édité par la BNF en 2022, j'y reviendrai tout à l'heure. Ce corpus de 8 ensembles qui s'étend de 1893 à la Grande Guerre est précédé par un certain nombre d'essais inachevés au début des années 1890. L'intérêt de ces projets réside dans le fait qu'ils sont caractéristiques de la conception qu'avait Reinaldo Hahn au début de sa carrière musicale de l'agencement d'un ensemble de morceaux musicaux. Il témoigne ainsi d'une grande liberté de conception et de son souci, dès ses premières compositions, de ne pas se contenter de reproduire ce qu'il connaissait, mais de trouver un genre propre à sa sensibilité. En 1890-1891, il travaille à un recueil qu'il intitule « Les impressions », dont ne subsistent que 5 pièces pour piano qui évoquent des sentiments passagers, tristesse, regret, ou des états d'âme liés à un contexte particulier. L'une des pièces a pour post-scriptum « En bateau sur le lac de Genève », une autre s'intitule « Devant un tableau de Doucet allant de 1890 ». On peut supposer que ce recueil contenait à la fois des pièces pour piano et des mélodies, car sur le manuscrit de la mélodie « Le bon repos », écrite à Villers-sur-Mer en septembre 1892, est indiqué qu'elle fait partie des nouvelles impressions, très certainement un second recueil qui devait compléter le premier. Cette supposition, mélange de pièces pour piano et de mélodies, est corroborée par l'agencement du recueil « Fleurs de mon âme », dont subsistent une pièce pour piano et une mélodie. Sur le manuscrit de la pièce pour piano, « Improvisazione »,
est indiqué qu'elle est tirée du recueil « Fleurs de mon âme », et ce titre est justement celui d'une mélodie écrite également en 1891, dont le manuscrit est conservé dans le même ensemble à la Beinecke Library de Yale University. On peut donc supposer que cette mélodie donnait son titre au recueil. Elle met en musique un poème de Théophile Gautier, « Pantoum ». Le poète qui souhaite atteindre les lèvres mi-closes de sa bien-aimée, qu'il nomme « Fleur de mon âme », se compare à des papillons couleur de neige volant sur la mer. Cette mélodie fournira la matière de l'air d'introduction avec cœur du premier opéra de Anne, « L'île du rêve », de même que l'improvisation et pour piano, celle du duo d'amour de la fin du premier acte de la même œuvre. Cela témoigne de la malléabilité de la matière musicale chez le premier Anne, dont le phrasé demeure foncièrement lyrique. Reste un dernier projet de cycle probable, « Adoration », constitué autour de son grand amour platonique de jeunesse, la danseuse Cléo de Mérode, dont il fait la connaissance à l'opéra au début de l'année 1891, pendant la répétition du Mage de Massenet. Dans son journal, Anne écrit à la date du 4 avril 1891, donc il parle de sa mélodie Adoration. « C'est à elle, Cléo de Mérode, que je pense constamment. Je me suis un peu soulagé en composant une impression Adoration. » Mais dans le manuscrit conservé à Yale, le titre Adoration est écrit seul, au centre d'une page de musique, avant deux mélodies sur des poèmes de Théophile Gautier et de Théodore de Banville, qu'il semble coiffé, hymne à Cléo, sur « Inviolata » de Gautier, et comme un cri. Comme ces deux textes mettent en scène l'adoration pour la femme aimée dans le premier, l'adoration entre les amants dans le second, on pourrait émettre l'hypothèse que Anne pensait à un cycle à part entière en dehors de son recueil Impression, ou d'un cycle qui aurait été inclus dans Impression, mais qui aurait eu sa propre personnalité en quelque sorte. Anne va s'éloigner par la suite de cette inspiration trop autobiographique. Et c'est avec un cycle sur un ensemble de poèmes de Verlaine, « Chansons grises », qu'il va obtenir son premier succès auprès des élites sociales parisiennes. La partition paraît chez Eugel en 1893. Anne y renonce à l'alternance entre mélodies et pièces pour piano, mais une longue coda pour piano termine le cycle. Il situe d'emblée son écriture de la mélodie sous la domination du texte littéraire. Voix et piano lui sont inféodés. Mais ce texte littéraire s'inscrit dans un parcours propre aux musiciens qui résulte du choix de 7 poèmes pris dans différents recueils de Verlaine. Poèmes saturniens, Fête galante, La bonne chanson, Romance sans paroles. Deux des titres de mélodie du cycle sont d'ailleurs dus à Reynaldo Hahn, Tous deux et Paysages tristes. Cette trame narrative ne constitue pas un véritable récit, mais s'apparente plutôt à un déploiement des aspirations et des amours du poète en prenant comme point de départ sa malédiction consubstantielle dans « Chanson d'automne » et comme point d'arrivée son bonheur imaginaire dans « La bonne chanson ». L'ensemble épouse cependant un plan tonal constitué par une forme en arche. Au do dièse mineur initial répond le do majeur final, au fa dièse majeur de la seconde mélodie « Tous deux » répond la tonalité en harmonique de sol bémol majeur de la sixième, paysage triste. Au sommet de l'arche se trouve la mélodie en sourdine, en la majeur, encadrée par deux mélodies en si majeur, l'allée est sans fin et l'heure exquise. Sur le plan de l'expression, cette organisation tonale enrobe une rhétorique qui rejette l'effet de contraste sur les marges du cycle. Le cœur de celui-ci étant constitué par une longue plage de 4 mélodies témoignant du même ravissement. Ainsi, au contraste initial entre la sombre chanson d'automne suivie de l'enthousiasme de tous deux, répond à l'autre extrémité l'opposition entre le morne paysage triste et la joie finale de la bonne chanson. Mais le corps central du cycle répète, lui, durant 3 mélodies, un même mouvement vers l'extase. À travers l'aspiration à se fondre dans un paysage, l'allée sans fin, à se fondre dans une nature propice aux amants, en sourdine, une nature qui leur fera atteindre la béatitude, leur exquise.
Au sein de cette construction, la mélodie paysage triste fait figure de tuilage entre ce pôle central voué au ravissement sylvestre et amoureux et les rebords contrastés où s'opposent la souffrance et la joie du poète. Elle appartient aux deux mondes en inscrivant le souvenir des douleurs passées dans un paysage extatique. C'est d'ailleurs ce paysage où l'ombre des arbres se reflète dans la rivière embrumée que représente l'illustration non signée de la première de couverture de l'édition des Chansons grises que vous voyez. Dans ce cycle, Anne est très influencée musicalement par Schumann. Il écrit à Rissler, « Nul musicien n'a jamais égalé la puissance poétique de cet homme-là. Aucun sentiment humain ne lui est inconnu. Tous les phénomènes de la nature lui sont familiers. » Mais Anne, en revanche, est très éloignée de la complexité harmonique, de la mobilité des modulations et des motifs récurrents de la bonne chanson de Gabriel Fauré, quasiment contemporaine. Il tend ici, par sa recherche d'un temps arrêté, vers une conception presque iconographique du cycle, destinée à nous faire entendre des tableaux poétiques, des arrêts sur image, plus qu'un récit où le mouvement de la vie aurait sa place. C'est pour cela qu'il supprime, dans l'allée sans fin, une strophe où des messieurs bien mis, sans nul doute amis, vont vers le château. Car il n'y a pas de place pour des personnages dans ce cycle dévolu avant tout aux arbres, au feuillage, à la rivière, à la lune et au silence. À la suite des Chansons grises, Anne envisageait un nouveau cycle sur des poèmes de Verlaine. Il pensait pouvoir mettre en musique la totalité du recueil Sagesse. Il note dans son journal « L'idée m'était venue d'écrire une très longue série de mélodies sur Sagesse. Le livre y aurait, en somme, été contenu tout entier. » Ce projet n'aboutira pas, mais 4 mélodies ont été conservées dans le fonds légué par Guy Ferrand à la Bibliothèque nationale de France. Ferrand est un acteur-chanteur qui devient le compagnon de Anne au début des années 20. Anne intitule cet ensemble « Monodie » tiré du recueil de Verlaine et tout laisse à penser que si le compositeur avait terminé ce cycle, il n'aurait pas suivi l'ordre du recueil de Verlaine mais aurait là aussi réorganisé la totalité ou une sélection de ses 57 poèmes. Le caractère de ce cycle est très différent de celui des Chansons grises, en accord avec le texte verlainien qui affirme la repentance et le retour à la foi catholique du poète après sa dramatique altercation avec Rimbaud. Anne écrit une musique à la fois grave et discordante, marquée par le style religieux, s'y côtoie style récitatif, écriture de type choral, en harmonie, chromatisme, etc. Et j'ai choisi justement de vous faire entendre cet autre Reynaldo Anne avec la mélodie « Un grand sommeil noir ». Sur ma vie, dormez tout espoir, dormez toute envie. Je ne vois plus rien, je perds la mémoire du mal et du bien.
c'était le baryton Olivier Bergeron avec au piano Olivier Gaudin. Et c'est une avant-première puisque cet enregistrement provient d'une nouvelle intégrale des mélodies de Anne en cours au label Passavant sous la direction artistique de François Leroux, qui paraîtra en plusieurs volumes dans les années à venir. Voilà. Cette tentative d'élargir le périmètre du cycle va se poursuivre avec le cycle rondelle, mais dans une autre direction. Il ne s'agira pas d'atteindre les dimensions de tout un recueil poétique, comme avec Sagesse, mais de donner une dimension chorale et une cohérence formelle à un ensemble constitué de 12 mélodies, principalement sur des poèmes de Théodore de Banville, 8 mélodies, mais aussi de Charles d'Orléans et de Catulle Mendès. Anne s'inscrit ici dans la continuité de Jules Massenet, promoteur du cycle de mélodies en France, il en a écrit 14, qui dans ses cycles « Poèmes d'avril » et « Expressions lyriques » tente de faire évoluer l'écriture du cycle en juxtaposant piano et déclamation. Mais il utilise aussi le chœur féminin dans un cycle qui s'appelle « Poème pastoral » et des duos vocaux dans son « Poème d'amour ». Reynaldo Hahn, se voulant lui aussi créateur de formes, il insère 3 chœurs dans son ensemble, élaborant ainsi une sorte de cycle cantate. En choisissant le titre rondelle, celui utilisé par Banville pour son recueil, il s'éloigne des dénominations littéraires pour mettre en avant une forme poétique fixe, conduite sur 2 rimes et des répétitions de vers obligatoires. On pourrait d'ailleurs voir dans cette promotion de la beauté formelle une attitude parnassienne, clairement affirmée par Banville, qui précise en tête de son recueil que ses rondelles sont composées à la manière de Charles d'Orléans. Anne se tourne donc ici à la fois vers une esthétique de l'art pour l'art et vers la poésie de la fin du Moyen-Âge. Il ne suit pas l'ordre systématique du recueil de Banville, qui passe en revue les 4 saisons, les 4 éléments, les moments de la journée, etc. Mais il suit un parcours qui va du jour à la nuit, tous deux chantés par le chœur, du printemps à l'automne, en s'arrêtant sur un élément vaporeux comme l'air, dans la mélodie de l'air, justement, ou fluide comme l'eau, dans la pêche, en décrivant une humanité paisible, dans la paix, ou en harmonie avec le cosmos, dans les étoiles. Anne n'utilise que des tonalités majeures pour faire entendre ce monde idéal et lumineux, et qu'il traite dans le style musical contemporain et dans lequel il insère 3 poèmes de Charles d'Orléans qu'il met en musique de manière archaïsante, créant ainsi un contraste de style. À cette incrustation de l'ancien dans le moderne se superposent les 3 pièces réservées au chœur, dans laquelle l'ancien, avec la mélodie « Gardez le trait de la fenêtre » au centre, est encadré par le contemporain, le jour et la nuit. Le style ancien est empreint de simplicité, le do majeur de « Je mets en votre merci », de modalité, le mode hippodorien, mode de la, de garder le trait de la fenêtre, ou dans une couleur tonale qui tranche avec l'ensemble, le fa dièse majeur de « Quand je fus pris au pavillon ». Ce contraste permet au compositeur de tenir à distance la vision de l'amour qu'il véhicule, tout en vassalité de la part de l'amant pour sa dame, un amour d'inspiration courtoise, déréalisé, qui par cet éloignement ne trouble en rien la sérénité de ce cycle, où même le passage du temps est une joie. C'est ce qu'affirme la dernière mélodie, qui est une sorte de coda, le souvenir d'avoir chanté au soleil sous l'azur céleste et l'infini trésor qui reste. Avec les études latines, tout en restant dans la sphère parnassienne avec la poésie de Leconte de Lisle, Reynaldo Hahn remonte du Moyen-Âge jusqu'à l'Antiquité romaine. Après avoir célébré le bonheur humain dans Rondelle, il prône ici l'hédonisme. Ce cycle est édité chez Eugel en 1900 et il est construit sur 10 des 18 poèmes qui constituent le 13e chapitre « Études latines » des poèmes antiques de Leconte de Lisle, qui dit s'être inspiré du poète romain Gallus. Anne ne suit pas l'ordre poétique de Leconte de Lisle, mais organise son propre parcours, qui demeure cependant fidèle à celui du poète, parcours qui prône au seuil de la vieillesse l'hédonisme face à la fuite du temps,
à travers le culte de l'amour sensuel et du transport physique que font naître l'ivresse et les arts. Anne reprend d'ailleurs dans ses mélodies les titres des poèmes de Le Comte de Lisle. Bien que certaines mélodies puissent être chantées par une voix de femme, un mezzo-soprano pour Salinum ou Folloé, le sens général des poèmes appelle une voix masculine. Le parcours s'inscrit d'ailleurs entre l'appel à la jouissance d'un ténor avec cœur dans Lydie, en si bémol majeur, et l'appel à l'offrande d'une basse avec cœur dans Fidilée, dans le ton de la dominante fa majeur. Le cycle se conclut en mi bémol, ton voisin qui englobe ceux de fa et de si bémol. Il est dominé en son centre par un chœur avec soliste, Taliarque, principalement en sol mineur, le relatif mineur de si bémol majeur. Malgré les écarts aux tonalités bémolisées que comportent Néer, fa dièse mineur, ou Vilé potabis, la majeur, ce sont ces tons bémolisés qui apportent une unité de couleur au cycle, avec un ré bémol majeur en son centre, dans l'idée. Même le ton de sol majeur de Salinum est ici bémolisé, avec un sixième degré abaissé, puisque le mi devient un mi bémol. L'expression du désir physique, de la jouissance apportée par la richesse, le pouvoir, la sensibilité aux arts, l'ivresse, le sommeil, la fusion dans la nature et le cosmos, ces différentes expressions épousent une sobriété de ton, un langage épuré et rectiligne tendant vers la monodie, qui font de ce cycle un véritable chant parnassien. Par son enchevêtrement entre voix soliste et chœur, une sorte de coryphée antique, il constitue l'aboutissement du cycle cantate élaboré par Anne. Car élaboré à partir d'un ensemble poétique parfaitement cohérent, au thème uniforme, la jouissance avant la mort, il est le plus homogène, de toute évidence, de toute l'œuvre mélodique de Anne. Le dernier cycle de la série, Les feuilles blessées, est à l'opposé de l'harmonie méditerranéenne des études latines. Il s'agit également ici du thème de l'entrée dans la vieillesse, mais cet épisode n'est dorénavant que regret et douleur. Les textes sont issus d'un seul ensemble poétique, les 7 livres des stances de Jean Moréas, réunis en volume à partir de 1899. Avec ce choix, Reynald Owen revient à la fois à une forme poétique contrainte, comme dans les rondelles, et perpétue la forme brève adoptée dans les études latines. Les stances de Moréas sont des huitains. Contrairement à ses précédents cycles, il procède à un certain nombre de modifications dans le texte, généralement pour des raisons de sonorité vocale. En revanche, les titres des mélodies reprennent strictement les incipit des 11 poèmes retenus, le titre du cycle, Les feuilles blessées, étant pris dans un vers de la 9e mélodie, Pendant que je médite. Si Anne choisit un poète symboliste comme Moréas, il choisit dans sa production le recueil dans lequel celui-ci revient à une esthétique néoclassique, où il fait un retour à la pureté de la langue, puisque le modèle en matière de stances, c'est pour lui Malherbe. Mais là où Moréas est original, c'est qu'il introduit dans la forme classique de la stance une intensité poétique toute contemporaine, ce que la musique de Anne traduit parfaitement par son caractère à la fois transparent mais âpre. Le compositeur n'élabore pas un véritable parcours poétique, mais se livre à une synthèse des thèmes que Moréas recense obsessionnellement dans son recueil. La fascination pour Paris, pour les arbres dans la ville, pour la nuit et la lune, pour le souvenir des floraisons printanières, pour l'automne, pour les feuilles mortes, pour la pluie et le vent, et pour l'élément aquatique à travers l'étang et l'océan. Le temps qui reste à vivre se passe dans la mélancolie, l'amertume, la souffrance pour un poète désabusé qui entre dans la vieillesse, ce qui inspire au musicien une partition au parcours tonal erratique avec une prédominance du ton de sol. La première et la dernière mélodie encadrent le cycle par l'utilisation de motifs répétitifs au piano. Les autres mélodies sont organisées selon une alternance assez simple entre plages calmes et plages agitées. L'ambiguïté tonale est permanente, due à une surabondance de chromatisme, de modulation, d'effets en harmonique, mais sans surcharge dans l'écriture, avec une ligne de chant souvent conjointe, voire monocorde, qui semble libérée de la mesure et qui tend à s'imbriquer avec le piano dans une seule texture, dans une trame décantée.
Cette trame que vous voyez ici dans la mélodie « Compagne de l'éther » constitue l'étape ultime de la fusion entre musique et texte. Le piano fait corps avec la voix qui elle-même n'est que récitation du texte poétique. Tout concourt ici à dire le vers. La musique seule prend cependant le relais du poème dans la longue coda pianistique qui achève la dernière mélodie au rayon du couchant et qui fait écho à celle qui termine Chanson grise. Vous voyez sur la gauche la coda des Chansons grises, une sorte de marche homorythmique, un peu à la Schumann, et à droite, la coda des Feuilles blessées, dans un style évidemment beaucoup plus décanté du dernier âne. Avec ce geste pianistique, Reynaldo Hahn semble renouer avec son inspiration initiale, celle des impressions de sa jeunesse, où il tentait de réunir dans le même recueil élocution instrumentale et expression vocale. Mais dans le même temps, ce dernier cycle est celui du dépassement du simple dialogue entre texte, voix et instrument, qui pour ainsi dire fusionne dans une seule coulée poétique. Ce même idéal d'unification, mais déployé à l'échelle d'un cycle cantate, sous-tendait déjà les études latines. Il est ici présenté sous un autre éclairage, celui du chant intime. Je vous remercie. Merci bien, Monsieur Blais, pour votre communication qui a mis en évidence, je crois, cette idée de cycle et d'unité qu'il y a dans le corpus des mélodies de rien, qui est tout à fait particulière, je trouve, dans la mélodie. Peut-être on pourrait aussi, ça pourrait aussi amener à des comparaisons avec le Lied allemand, où l'idée du cycle a des racines plus fortes, à mon avis, que dans la mélodie. Mais on ne peut pas en parler maintenant, parce qu'il faut enchaîner tout de suite la deuxième communication, Madame Maria Irene Fantini, qui est tout d'abord, elle est chanteuse, parce que elle a une, si vous voulez gagner le pupitre, parce que elle a une formation en chant lyrique à la Haute École de Musique de Lausanne et a obtenu son Master of Arts dans la classe de Frédéric Gendreau. Donc on va ouvrir la piste de la lecture des interprètes sur la mélodie, mais elle est aussi chercheuse parce qu'elle poursuit son parcours académique avec une thèse de doctorat au sein du département de musicologie de l'Université de Fribourg sous la co-direction de Federico Lazzaro et Alain Corbellari. Son sujet de recherche traite de la réception de la littérature française ancienne du Moyen-Âge au VIe siècle dans le genre de la mélodie entre 1850 et 1950. Je n'ai pas pris le titre, mais la mise en musique de rondelle entre 1880 et 1930. À vous, Marianne. Merci beaucoup. Cette présentation s'inscrit dans un projet plus large qui cherche à mettre en lumière l'apport poétique du Moyen-Âge et de la Renaissance dans le genre de la mélodie française. La mélodie trouve dans ce répertoire ancien un langage, des formes, mais aussi de nombreux thèmes qui viennent nourrir la création artistique dans une tentative de reconstruire le lien perdu avec le passé et l'héritage artistique français. Depuis une vingtaine d'années, la question du référent médiéval dans notre culture et de sa permanence dans la création artistique intéresse de plus en plus les chercheurs. Les études sur la réception du Moyen-Âge sont souvent abordées de manière interdisciplinaire et l'abondante bibliographie existante en atteste. Cependant, alors que le médiévalisme musical est bien documenté, l'apport de la résurgence poétique médiévale dans le domaine de la musique à la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle est peu traité. L'identité fortement littéraire de la mélodie invite naturellement à l'étude de convergence entre deux entités, musique et poésie, et dans notre cas, deux temporalités, ancien et moderne. Différentes formes sont récupérées par les poètes et les musiciens modernes, le rondeau rondelle, le virelet, la ballade et le sonnet, typique de la Renaissance. Aujourd'hui, nous allons principalement nous occuper du rondeau rondelle médiéval et de sa réception musicale et littéraire. À l'heure actuelle, j'ai référencé environ 90 mélodies composées d'après des rondelles dont l'une des particularités principales est l'emploi d'un refrain.
Ici. Ah, parce que je suis à l'envers, je crois. Ah, voilà. Ouais, merci. Alors, la résurgence de la poésie du Moyen-Âge tardif. Pourquoi médiévalisme littéraire et mélodie française ? Le terme médiévalisme, dans son acception moderne, désigne l'étude de la réception du Moyen-Âge aux siècles ultérieurs, en particulier au XIXe et XXe siècles, dans son versant créatif et son versant érudit. Dans le cas de la mélodie française, le médiévalisme comprend autant le Moyen-Âge que la Renaissance, période qui n'avait pas, pour les compositeurs de l'époque, de délimitation rigide. En faisant converger deux espaces temporels, la translation de la poésie ancienne vers la mélodie française, c'est-à-dire la cohabitation d'univers historiques différents, le médiévalisme remet en cause l'aspect linéaire et les conceptions progressistes de l'histoire. Médiévalisme is inevitably bound up with perceptions of time and temporality, which determine not just how the present looks back at the past, but how the relationship between past and present is itself apprehended. Analyzing the multi-temporal nature of medievalism, its merging of the past or even multiple pasts into the present, thus opens up a new avenue into the study of historical periodization. En étudiant la mélodie française à travers l'optique du médiévalisme littéraire, une brèche s'ouvre qui offre un nouvel éclairage sur le genre de la mélodie française. La mélodie, qui se définit par son exigence musicale ainsi que par la qualité artistique de la source poétique, ce qui la distingue entre autres de la romance, se régénère au contact de la poésie ancienne. Se tourner vers un patrimoine littéraire ancien permet aux compositeurs et aux compositrices de nourrir leur créativité à travers un nouvel exotisme. Terme que je reprends du texte de Anne Ibos-Auger, « Recevoir et transmettre le Moyen-Âge », de la réappropriation culturelle à la relecture esthétique, reflétant un exotisme de type temporel. Mais est-ce que l'horizon des possibilités musicales se voit renouvelé par ces textes anciens dans le traitement vocal ou dans la conception de la forme ? C'est une des questions clés qui guide notre démarche. En préface de son recueil de rondelles, la dédicace de Reinaldo Hahn à Louis Landry est tout à fait éloquente de l'intérêt que suscite la résurgence du rondel dans le répertoire vocal et de l'impact de la poésie ancienne sur la façon de concevoir la composition. Mon cher ami, nous avons parlé ensemble quelquefois de la déclamation et de la prosodie musicale. Or, je me suis attachée, en ce petit recueil, à résoudre un de leurs plus subtils problèmes, j'ai tenté de prouver les rapports mystérieux qui existent entre l'inflexion naturelle de la voix et l'harmonie. Pour cela, j'ai choisi le rondel, c'est-à-dire un poème à forme fixe dont la lecture parlée obéit à certaines règles exigées et dictées par l'ouïe et l'instinct. Un autre élément doit être pris en considération lorsqu'on parle de mise en musique d'un poème ancien. Il s'agit de la notion d'appropriation, mais dans sa connotation positive et artistique, à savoir comment utiliser un élément extérieur à soi comme élan créateur, comme modèle ou inspiration. Adapt to an existing tradition does not remove the possibility of personal authenticity. Any tradition provides scope for artists to innovate. Artworks can owe a great deal to previously existing works and still be personally authentic. Dans son essai sur l'appropriation culturelle et les arts, James Young affirme que la valeur esthétique générée par cet acte est réelle et propose à l'étude différents types d'appropriation. Dans notre cas, deux nous intéressent particulièrement. L'appropriation de contenu. Le compositeur récupère un poème pour écrire sa mélodie. On constate donc un processus d'appropriation poétique. En effet, comme l'explique Emmanuel Reibel dans son essai sur le poème de Goethe « Ganymède », la mise en musique d'un poème constitue un acte d'appropriation où le compositeur propose une nouvelle lecture de poème créé en toute autonomie pour écrire sa mélodie. Ensuite, l'appropriation temporelle, on revient à une culture du passé avec ses propres codes et son propre contexte culturel pour nourrir la production artistique du présent, ce dont a bien conscience Debussy lorsqu'il dit à propos de la mise en musique du poème de Villon « Les vers classiques ont une vie propre ». Un dynamisme intérieur, pour parler comme les Allemands, qui n'est pas du tout notre affaire.
Nous avons constitué le corpus à partir de rondelles modernes et anciens. Il peut s'agir de pièces séparées ou faisant partie d'un recueil entier, comme chez Reynaldo Hahn, un recueil de 12 mélodies où il alterne entre des poèmes de Charles d'Orléans et de Théodore de Banville et de Catulle Mendès, comme nous l'avons vu juste avant, Charles Koechlin, trois recueils respectivement de 6, 7 et 9 mélodies, ou encore Amédée Dutac, un recueil de 6 mélodies. À partir de ce corpus, nous observons que le nom de Théodore de Banville, parmi les poètes modernes qui écrivent à la manière ancienne, revient de façon récurrente, tandis que pour la période médiévale, nous avons majoritairement des textes de François Villon et de Charles d'Orléans. Si nous tenons compte des propos de Jean-Claude Multhaler, il n'est pas étonnant que ces deux poètes ressortent du corpus de façon assez évidente. Depuis la redécouverte de Charles d'Orléans par l'abbé Cellier vers 1740, les manuels d'histoire ont fortement joué avec cette opposition, d'une part le camp d'Orléans et de l'autre le camp Villon. Et cela s'est répercuté dans la réception littéraire qui a suivi. Un des premiers rondels mis en musique est celui d'Eugène Sauzet, Le Printemps, rondelle du duc Charles d'Orléans, publié en 1855. Le Printemps correspond au poème Le temps a laissé son manteau. J'ai identifié 14 différentes mises en musique de ce rondel. L'un des derniers à l'avoir repris a été Camille Saint-Saëns en 1921, dans son recueil de mélodies intitulé Vieilles chansons. La prépondérance de ce poème parmi toutes les mises en musique de rondelles nous laisse penser que le thème de la Renaissance et du printemps dont parle Charles d'Orléans continue de séduire les compositeurs. Comme le dit Emmanuel Reibel dans son livre « Nature et musique », à la statique hivernale s'oppose la dynamique du printemps, la star des saisons musicales, tantôt associée à l'amour, tantôt à l'élan créateur. Dans cette période de remise en question sur l'identité de la musique française, le titre « Renouveau » vient donner une symbolique forte à cette démarche de réappropriation poétique, tout en soulignant l'appartenance à une culture commune. La période la plus propice à la reprise de cette forme se situe principalement à la fin du XIXe siècle et continue de se pratiquer jusque dans les années 1920-1930. Mais vers 1925, l'intérêt pour Charles d'Orléans s'efface en faveur de François Villon. Les œuvres composées d'après un rondel montrent une mise en musique très diversifiée dans le style, mais aussi dans le choix des effectifs. Cette variété vient confirmer l'idée qu'on ne cherche pas l'authenticité historique, c'est-à-dire de reproduire une œuvre médiévale, mais reflète au contraire la volonté de suivre une démarche personnelle, un principe de résonance vis-à-vis d'un poète ou d'un poème, même si celle-ci est le résultat d'un mouvement qui se déploie à large échelle. L'effectif le plus commun est celui pour voix et piano. Dans certains cas, une version pour orchestre est réalisée. Il y a également une pièce pour voix et violon et piano de Sauzet, une pièce pour voix et violoncelle de Vincent d'Indy, intitulée Madrigal à deux voix, d'après le rondel Dieu qu'il a fait bon regarder. Ce poème a été également mis en musique par Hercule de Fontanailles, Raoul Lapara et Eugène Sauzet. Il y a en effet de nombreux cas de poèmes récurrents. Le rondel La Nuit de Théodore de Banville, par exemple, a été mis en musique par Koechlin en 1894, par Reynaldo Hahn entre 1898 et 1899, et avait déjà été utilisé par Ernest Chausson en 1883 pour une mélodie à deux voix, soprano et baryton, avec piano orchestre. Étudier la récupération de la forme du rondel dans le contexte de la mélodie française incite une série de questions. Est-ce que la résurgence du rondel en musique correspond à un phénomène sociétal? Quelle est la place du rondel dans le genre de la mélodie française? Comment s'effectue l'hybridation de la forme rondel à connotation fortement médiévale avec la mélodie française? Est-ce que cela induit une musique de type antiquisante ou est-ce que cela s'inscrit dans une démarche moderne? Dans le cadre de cette présentation, je me limiterai à formuler quelques éléments de réponse. En ligne avec ma problématique, l'essai de Tania van Emmerich, Claude Debussy, médiéviste dilettante, illustre comment le Moyen-Âge et la poésie de François Villon ou de Charles d'Orléans se retrouvent au cœur de la création artistique de Debussy. Van Emmerich considère que cette récupération poétique répond à des considérations esthétiques liées au climat culturel de l'époque. En effet, la presse de vulgarisation, comme la revue Musica, destinée principalement à un lectorat féminin et amateur, peut nous aider
à comprendre la propagation de ce phénomène. Cela peut également nous faire découvrir quels étaient les poètes en vogue et comment ceux-ci étaient perçus. En octobre 1905, un numéro est publié sur la vieille chanson française avec une page spécialement consacrée à la chanson du Moyen-Âge. Ici, le terme « chanson » est employé de façon générique, sans distinction de genre ou de forme. On y fait l'éloge des poètes et des musiciens médiévaux, des troubadours et des trouvères, en y ajoutant quelques images au soutien de l'argument. Le texte commence avec une conviction forte. Il semble qu'on ait toujours chanté en France. On constate une valorisation de ce patrimoine culturel qui montre également une importante conscience nationaliste. Par exemple, je cite, « Une mention spéciale doit être faite d'Adam de la Halle, à qui l'on doit le jeu de Robin et Marion, notre première pastorale considérée justement comme le premier essai d'opéra comique français. Les termes utilisés montrent comment on cherche à construire le mythe d'une identité nationale en prenant appui sur l'héritage culturel du pays. C'est donc un désir d'appartenance qui se dévoile dans cette démarche. Puis arrive l'éloge de Charles d'Orléans. Mais comment oublier Charles, duc d'Orléans, poète exquis aux images neuves et sensibles, fait prisonnier à Azincourt en 1415, il compose durant une captivité de 25 ans la plupart de ses rondelles, chansons, etc. Parmi ces dernières, citons « Dieu qui l'a fait bon regarder », rondelle qui, comme nous l'avons vu précédemment, a été musique par divers compositeurs. Après le duc s'ajoute la figure de François Villon. Et qui ne sait que François Corbeil, dit Villon, excella dans la chanson satirique, comme en toute matière prosodique d'ailleurs. Ce qui interpelle ici repose sur l'évidence qu'à l'époque, Villon était bien connu de tous, ou en tout cas dans les cercles artistiques et intellectuels. La légende Villon était bien ancrée. Ces poètes deviennent en quelque sorte des figures de référence pour la culture française qui se cherche une filiation. L'intitulé « Trois chansons de France » qui contient deux rondelles de Charles d'Orléans est plutôt significatif de ce lien. Quelle est la place du rondel dans le genre de la mélodie française? La reprise d'un poème ancien, comme on peut l'observer dans la mélodie française, se manifeste par une transformation via la mise en musique du poème originel dans un nouveau contexte artistique et culturel, objet poétique du passé dans une écriture musicale moderne. Cette idée est clairement énoncée par Anne dans son journal à la date du 30 janvier 1894. Il m'arrive de lire des fragments de Ronsard, d'éprouver un vif désir de les mettre en musique, mais je déteste le pastiche et m'efforce de composer sur ces vers si souvent modernes de la musique d'aujourd'hui. Cette phrase donne lieu à trois constats. La mise en musique de poèmes anciens n'est pas une tentative de réaliser une reproduction du passé par imitation, mais bien une assimilation du poème. On peut observer des réminiscences musicales qui sonnent anciennes sans que cela reflète une volonté de faire revivre la musique du passé. C'est le cas pour le rondel « Quand je fus pris au pavillon » de Reinaldo Hahn, qui a d'ailleurs une couleur plus baroque que médiévale. Certains éléments, comme l'émiole ou le pizzicato évoquant le jeu du clavecin, sont utilisés pour donner à la pièce un effet d'exotisme temporel. Et n'est certainement pas une tentative d'imitation du passé. Un autre exemple est celui de la mélodie « Le temps à laisser » de Debussy, où l'écriture par mouvement descendant et les arpèges rappellent la harpe, symbole typique du style antiquisant. Mais les archaïsmes présents dans ces mélodies ne visent pas à l'authenticité et reprennent plutôt des topoi courants au XIXe siècle, tout en offrant une relecture poétique à travers une perspective personnelle et moderne. Le deuxième concept important est l'idée d'universalité du poème qui reste actuel malgré le passage du temps. Et le dernier, c'est le désir de répondre aux exigences de la musique d'aujourd'hui. C'est d'ailleurs l'idée que soutient le baryton François Leroux. Tous les compositeurs de mélodies françaises qui comptent se sont tournés vers des poètes anciens. Et que la particularité de la mélodie française, par son goût pour la poésie, se développe lorsque la langue poétique française se redécouvre non pas comme langue fermée, mais comme capable d'évolution, d'ouverture, de mystère. Et Debussy, en visitant Charles d'Orléans, Tristan l'Hermite et François Villon, ne se place pas dans une optique musique ancienne, mais bien dans une perspective de nouvelles sonorités linguistiques.
Comment s'effectue l'hybridation de la forme rondelle à connotation fortement médiévale avec la mélodie française ? La figure de Théodore de Banville dans la reprise des formes médiévales et son impact dans la transmission de ce répertoire nous paraît de premier ordre. En 1873, année où le philologue Gaston Paris fait des découvertes importantes sur la vie de François Villon, il écrit 36 ballades joyeuses pour passer le temps, composées à la manière de François Villon, et commence ainsi un parcours de récupération où il écrit à la manière d'eux, en utilisant les formes fixes du Moyen-Âge. En 1875, il poursuit cette activité avec le rondel. J'essaie, encore une fois, de ressusciter après le triolet et la ballade un de nos vieux rythmes français dont l'harmonie et dont la symétrie sont charmantes. Le poète rend ainsi hommage à ces formes anciennes et utilise l'ouverture du poème, le temps à laisser son manteau, comme incipit à son recueil. La forme utilisée par Banville pour ses poèmes suit la structure standardisée médiévale. La volonté de Banville de revenir à des formes anciennes traduit une recherche stylistique dans la tentative de retrouver une certaine pureté du langage, qualité que l'on a attribuée systématiquement à la poésie du Moyen-Âge. Pardon. Comme nous pouvons le voir dans l'exemple « La nuit », la forme typique du rondel se construit de la façon suivante. 13 vers en octosyllabes sur deux rimes et structurés par l'emploi d'un refrain « AB » que nous voyons en jaune. Le final reprend uniquement le A. C'est exactement ce que l'on retrouve dans les rondelles de Charles d'Orléans. Nous voyons ici le rondel « Le temps a laissé son manteau », 13 vers sur deux rimes O et I, avec les trois refrains A, B, A, B, A. Même chose dans le rondel « Dieu qui l'a fait bon regarder ». Nous avons donc la forme fixe A, B, B, A, A, B, A, B, A, B, B, A. En majuscule, ça représente le refrain. Au point actuel de ma recherche, on remarque que la plupart des compositeurs ont tendance à modifier la structure du poème en élargissant les contours par la répétition de mots ou de vers, et seulement dans quelques rares cas, le poème est repris dans sa forme première. Cependant, la conscience du refrain textuel dans la mise dans la musique semble se retrouver partout. En ligne générale, les compositeurs cherchent à mettre en évidence non seulement les différentes sections du poème, comme c'est le cas pour les autres textes, mais aussi la structure typique du rondel en soulignant le retour du refrain, en particulier à la voix. Dans le cas de Déodat de Séverac, pour le temps à laisser son manteau, l'ossature du rondel est conservée, mais il répète l'intégralité de la première strophe dans le final, alors que la forme poétique de base ne répète que le A. Cet ajout lui permet de créer un effet de crescendo, d'augmenter la tension et de souligner la fin de la pièce. La voix, d'ailleurs, atteint son climax lors de la dernière phrase musicale avec un la aigu. Ainsi, Déodat de Séverac se sert de l'architecture du rondel, mais plie les règles poétiques aux besoins de sa musique. La mélodie, au rythme ternaire, fait écho à des temps anciens, et nous avons encore un exemple ici d'exotisme temporel. Pour Bourgaud du Coudray, dont la mélodie d'après le célèbre rondel a été publiée dans le supplément du numéro 46 de la revue Musica en 1906, s'inscrit encore dans un style très romantique, notamment par les différentes répétitions du même mot ou le même vers, qui génèrent une certaine emphase avec un accompagnement très dense. La longueur de la pièce est ainsi prolongée de manière conséquente. En vers, le texte ajouté en plus par le compositeur. Paradoxalement, le musicologue Bourgaud du Coudray a une approche très libre à la composition et n'en montre pas du tout une visée restaurative d'un modèle musical ou poétique ancien. Cependant, on remarque qu'il conserve l'idée du refrain et il reprend la même ligne vocale lorsque Abbé revient entre les différentes strophes. Ici le début et le final. En revanche, chez Debussy, le respect du texte et de la forme fixe est très poussé, mais la régularité de la forme fixe ne l'empêche pas de créer un mouvement prosodique fluide que l'on retrouve dans ses autres œuvres vocales. Dans la reprise intermédiaire du refrain, c'est-à-dire la deuxième partie de la deuxième strophe, le AB, on retrouve uniquement le premier vers A. Pourquoi ? Les éditions des poèmes anciens ont été dans de nombreux cas mal interprétées et le refrain était reproduit dans une version raccourcie.
La forme du rondel était une pratique évidente pour les poètes de l'époque. Il n'était pas nécessaire d'écrire l'intégralité du texte. Cela a pu engendrer quelques confusions lors de la réception aux siècles ultérieurs. De ce fait, il s'agit de la part de Debussy d'une omission involontaire, car on envisage que le vers B du refrain n'était pas présent dans l'édition que Debussy avait à disposition. Hein ? Ah oui. Donc, et le final. Et ici, c'est pour montrer donc, que les trois chansons d'En France, les deux rondelles se distinguent parfaitement de la forme de la grotte par justement cette reprise du motif au moment des refrains. Pour conclure, laissons les grands poètes tranquilles. D'ailleurs, ils aiment mieux ça. En général, ils ont très mauvais caractère, pour citer Debussy. Provocation ou réalité ? Peut-être une boutade ironique de la part de Debussy, qui a souvent mis en musique des poètes importants comme Verlaine ou Mallarmé, mais qui fait réfléchir sur la difficulté que les compositeurs peuvent rencontrer dans cet acte d'appropriation poétique. Merci pour votre attention. Merci, Madame Fantini, pour cette communication qui a proposé pas mal de liens avec la communication précédente et les sujets abordés pendant la première séance, et peut-être anticiper même quelques sujets qui seront travaillés pendant les prochaines séances. Donc, je vais appeler le prochain Monsieur Bobbiot, Jean-Pierre Bobbiot, oui. Oh, pardon, mais alors, je suis désolé, en fait, j'avais vu, vous avez une présentation après, parce que je me suis trompé de séance, peut-être. Allez-y. oui. Désolé. Oui. Ah. Désolé pour mon erreur. Alors, Irène Méjabutin, reçue au concours de l'agrégation de musicologie. Irène est diplômée d'un master mention très bien à l'école des hautes études de sciences sociales, comportée avec l'école normale supérieure, ainsi que du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Après une formation complète au sein de la maîtrise de Radio France et du Conservatoire à rayonnement régional de Boulogne, Irène remporte le troisième prix du concours général en éducation musicale et entame une licence de musicologie à la Sorbonne Paris 4. Elle travaille aujourd'hui avec différents ensembles comme le Concert Spirituel, l'ensemble de M et l'Orchestre Consuelo, et collabore avec de grandes institutions comme la Philharmonie de Paris et de Luxembourg. Ses recherches actuelles portent sur les derniers cycles des mélodies de Gabriel Fauré, auxquelles sera dédiée cette communication. Allez-y, merci. Merci. Alors, bonjour, je suis... Alors, c'est bon, je peux... Je suis très heureuse d'être ici. Je remercie le comité scientifique et d'organisation de ce colloque de me donner l'opportunité de présenter les recherches que je mène sur Gabriel Fauré et plus particulièrement sur les derniers cycles de Mélodie, à savoir la chanson d'Ève, le jardin clos, Mirage et l'horizon chimérique. J'aimerais que nous écoutions pour commencer la première mélodie du cycle de Gabriel Fauré, Mirage, sur des poèmes de la baronne Renée de Brimont. Cette signe harmonieuse et sage qui glisse lentement au rivage d'ennui sur les ondes sans fond du rêve, du mirage, de l'écho, du brouillard, de l'ombre.
l'espace, poursuit un reflet vert, précieux et changeant, et les roseaux nombreux s'inclinent quand il passe, sombre et muet, au seuil d'une lune d'argent. Tour à fleurir de désir et d'espoir, mais plus avant, toujours sur la brume et sur l'onde, vers l'inconnu fuyant, glisse le signe noir. Alors, en tant qu'entrée en matière, nous pouvons observer ici plusieurs caractéristiques qui vont être propres au langage phoréen dans cette mélodie, l'héritage de l'école Niedermeyer et de la musique ancienne par l'insertion d'une écriture modale dans le choix des cadences et de la conduite mélodique, le frottement entre une écriture verticale et la mise en tension des lignes du piano en contrepoint. Va aussi se dévoiler une volonté de continuité par le maintien de la phrase musicale dans une remontée mélodique toujours avortée, la négation de la barre de mesure avec des liaisons et des syncopes qui vont conduire la phrase, l'assouplissement des temps forts et l'assouplissement des temps dans la mesure, de manière générale. Dans la seconde partie de la mélodie, en revanche, s'opère un véritable retour romantique par une écriture pianistique beaucoup plus dense, qui fait écho à celle de Schumann en double croche régulière, qui maintient une harmonie plus longtemps, mais aussi une harmonie plus nette et moins ambiguë dans sa conduite. On observe aussi l'abandon d'un contrepoint pour un temps musical beaucoup plus continu. Et ce glissement dans le langage a un rôle de figuralisme. Le signe calme et flottant qui nous est apparu dans les premières mesures, en suspension et ambivalent, comme l'était le langage harmonique et rythmique de Fauré, laisse place à, je cite, « un roi hautain fendant un libre espace ». Les thématiques du signe, de l'eau, du reflet, des mirages, des chimères et des évocations mythologiques sont bien celles des derniers cycles de Gabriel Fauré. Elles émanent de choix littéraires inédits, rares, et d'appropriations musicales sensibles qui recherchent toujours l'épure et l'unicité. Mirage est sur ce point l'exemple d'une collaboration insolite. La baronne de Brimont écrit son recueil en 1919 et Fauré va mettre ses poèmes en musique quelques mois plus tard. Par son titre de noblesse, la poétesse peine à intéresser les éditeurs parisiens et espère que cette collaboration avec un compositeur comme Fauré lui assurera une postérité. Elle fréquente les mêmes cercles que lui, notamment les salons de la princesse Polignac, de Marie Laurencin ou encore de Paul Valéry. Et dans le genre de la mélodie française, c'est dans ces cercles que les artistes se rencontrent et c'est par ces rencontres que se formule le genre. Un genre, nous l'avons dit proprement français, et un genre qui célèbre l'art et la langue française. Mais intéressons-nous plus particulièrement à Fauré. Il prend une place très particulière dans l'histoire de la musique et dans le cours du XXe siècle, puisqu'il connaît un succès alors qu'il est devenu sourd, il ne peut plus entendre les hommages et les commémorations qui lui sont faites. Il sera professeur puis directeur du Conservatoire de Paris. Sa santé décline et en même temps, il devient le réformateur d'un romantisme français profond et sensible, alors que le public parisien raffole à ce moment de fantaisie, de légèreté et voire de dérision, notamment pendant la période de l'entre-deux-guerres. Fauré va donc s'engager dans le XXe siècle sans avoir à cœur d'en épouser véritablement les tendances musicales. Et pourtant, ses derniers opus, qui vont exclusivement regarder vers le répertoire de chambre, sont teintés d'un extraordinaire renouvellement qui va être fait de subtils allers-retours entre sa formation de musique ancienne à l'école Niedermeyer et l'élargissement tonal germanique entre un romantisme de jeunesse et une œuvre de maturité. Et le signe sur l'eau que nous venons d'entendre apparaît ainsi comme un des nombreux exemples qui se situent à la jonction de ces deux tendances. Plus généralement, les cycles de mélodies que nous abordons aujourd'hui témoignent d'un langage au bord de toutes les frontières. La chanson d'Ève, le jardin clos, mirage
et l'horizon chimérique s'inscrivent dans le monde poétique qu'il va forger avec Charles Van Lerberg, la baronne de Brémond et Jean de la Ville de Miremont. Après avoir replacé ces quatre derniers cycles au sein de la production mélodique du compositeur, je m'intéresserai à la rencontre entre musique et poésie, notamment au processus d'appropriation du texte poétique par Fauré et à sa mise en musique. L'observation d'éléments compositionnels assez synthétiques, comme la conduite mélodique, l'harmonie ou les questions de forme, nous amènera ensuite à penser esthétiquement le devenir de ces derniers opus au regard de la production foraine et de la mélodie française en général. Fauré va donc se placer comme un des plus illustres et prolixes représentants du genre, la mélodie française et mélodie foraine s'inscrivant dans une trajectoire parallèle et souvent indissociable. Pourtant, l'œuvre de Fauré est soumise à de nombreuses propositions de périodisation qui s'articulent au-delà du genre vocal. La segmentation de son corpus en trois périodes ou en trois manières est adoptée par le plus grand nombre, et je reprends ici des propos de Jean-Michel Nectou. La première manière est celle de la recherche d'un style et de la liquidation de l'héritage romantique. La deuxième, celle d'une époque de maturité où le musicien développe un style personnel, marqué par le chromatisme, par la recherche polyphonique. Et enfin, la dernière période étant celle d'un renouvellement radical, allant dans le sens d'un allègement de la texture instrumentale, une simplification des courbes mélodiques et une audace harmonique, résultant d'une attention soutenue à l'écriture contrapuntique. La première période est donc marquée par sa proximité avec le genre romantique, 19e-iste et parfois qualifié de salonard de la romance. La relation entre la voix et le piano est celle d'une mélodie accompagnée, le traitement souvent prosodique est simple et syllabique, les lignes mélodiques sont relativement volubiles, les harmonies sont claires. Je vous propose d'écouter un court extrait de son premier opus, Mai, sur un poème de Victor Hugo. J'espère que la coupure ne va pas être trop abrupte, comme tout à l'heure. Puisque mai tout en fleurs, dans les prés nous réclame, viens, ne te lasse pas de m'aider à ton âme. La campagne, les bois, les ombrages charmants, les larges clairs de lune au bord des flots dormants. Le sentier qui finit où le chemin commence, et l'air et le printemps, et l'horizon immense. L'horizon que ce monde attache, un blé joyeux, comme une lèvre au bord de la robe des cieux. Oh, bon. Donc, notons, comme nous l'avons évoqué en début de matinée, encore une fois, Victor Hugo apparaît comme un compositeur qui est beaucoup mis en musique. Pour revenir donc à Mai, cette mélodie va témoigner d'une véritable douceur poétique. Les sujets prennent des fleurs comme métaphore féminine, la nature bienveillante comme une véritable confidente. Et je vous rappelle donc les premiers vers de cette mélodie. « Puisque mai tout en fleurs dans les prés nous réclame, viens, ne te lasse pas de mêler à ton âme. La campagne, les bois, les ombrages charmants, les lages clairs de lune au bord des flots dormants. » Donc, une véritable rupture se révèle lorsqu'on met côte à côte cet opus, publié en 1871, et les cycles qui nous intéressent aujourd'hui, qui eux sont composés entre 1906 et 1919. Jusqu'à La bonne chanson sur des poèmes de Verlaine, Gabriel Fauré ne compose pas de mélodies en cycle, mais des opus séparés. Petite exception faite sur les mélodies de Venise, qui, contrairement au cycle qui nous occupe aujourd'hui, ne travaillent pas une véritable cohérence ni une unicité particulière. Donc, les interventions de Fauré sur les poèmes affectent surtout leur longueur. Pour lui, 4 quatrains suffisent souvent à produire une composition cohérente. Il évite toute rupture dans les enchaînements et s'appuie plutôt sur une continuité musicale. Dans ses premiers opus mélodiques, le rapport texte-musique se définit par des choix, mais pas seulement, c'est aussi par des refus, puisque Fauré pense le poème
comme une véritable prolongation musicale et va créer une corrélation complexe entre ces deux expressions au point qu'elles vont finir par s'absorber l'une et l'autre. En tant que processus de composition, le travail sur le texte se fait à différents égards. Il émerge d'abord d'une rencontre ou d'une amitié, comme ce fut le cas avec Verlaine, ou d'un contexte de création contemporain avec la fréquentation des salons, comme avec Madame la baronne de Brimont. La mise en musique se fait ensuite par l'élaboration d'une structure et regarde notamment vers l'ordonnancement des poèmes. La chanson d'Ève, composée entre 1906 et 1910, donne l'exemple flagrant d'une gestation en plusieurs temps, d'une genèse entrecoupée, puisque Fauré aborde entre-temps la composition de son unique opéra Pénélope. Sur les 10 mélodies qui vont constituer le cycle, leur ordre est le fruit d'une recherche et d'une redisposition qui va être motivée par l'enchaînement d'une mélodie à l'autre et va faire l'objet de nombreux remaniements, notamment sur les dernières mélodies du cycle qui vont s'alterner, certaines vont même être enlevées, certaines vont être rajoutées. Et cette chanson d'Ève, qui est organisée selon 5 grandes parties, respectivement intitulées Prélude, qui compte 2 poèmes, Première parole, qui en compte 28, La tentation, qui en compte 36, La faute, qui en compte 18, et Crépuscule, qui est constituée de 12 poèmes, donne un ensemble cohérent de 96 poèmes de Charles van Lerberg, j'oubliais de le citer. Et de ces 96 poèmes, Fauré n'en retient que 10, faisant pourtant de cet ensemble un des plus denses de sa production. De la même façon, lorsque le poète choisit l'incipit de chacun de ses poèmes comme titre, Fauré condense le sens poétique de ses mélodies pour leur attribuer la plupart du temps un titre concis. Le premier matin du monde de Van Lerberg devient paradis, ou encore Ce soir à travers le bonheur devient crépuscule. Cette chanson d'Ève montre de grandes similitudes avec le cycle suivant, Le Jardin clos, toujours sur des poèmes de Charles Van Lerberg. Pendant le travail de gestation qui sépare ces deux cycles, d'importantes transformations marquent l'évolution de la pensée compositionnelle de Fauré. Les proportions de ces deux cycles diffèrent. Alors que la chanson d'Ève est constituée de 10 mélodies avoisinant les 25 minutes, Jardin clos dépasse tout juste les 10 minutes et condense 8 mélodies, ce qui sera ensuite ce qu'on observera avec Mirage et l'horizon chimérique. Dans cette quête d'unicité et de brièveté, Fauré cherche bien, dans l'évolution de son langage, à se rapprocher d'une musique plus intimiste qui sera celle de ses derniers opus, tendance au sein de laquelle s'inscrit bien le Jardin clos, cycle lui-même façonné par les recherches à plus grande échelle qu'il a menées avec la chanson d'Ève. Si l'on observe cependant à l'échelle réduite l'appropriation du compositeur par rapport au poème, tout est loin de se jouer au niveau de la macrostructure et l'horizon chimérique s'en porte témoin. L'horizon chimérique repose donc sur un recueil du poète Jean de la Ville de Miremont, qui est un jeune poète mort au chemin des Dames en 1915. Ses écrits sont essentiellement des poèmes marqués par l'image du marin, des bateaux, de la mer. Ce recueil voit le jour entre 1911 et 1912 et sera mis en musique par Fauré lorsqu'il le découvre en 1921, avant de le créer en 1922 à la Société nationale de musique par Charles Panzera, qui en est le dédicataire. C'est plus précisément ici la prise de parole, du compositeur vis-à-vis du poème qui va nous intéresser. L'horizon chimérique vacille entre un jeu introspectif et des personnes plurielles, nous, vous, aussi évoquées avec distance par des objets métonymiques, le cœur, les vaisseaux, les ondes. Je vous cite quelques vers de la dernière mélodie. Vous ne pouviez garder vos âmes enchaînées, il nous faut des lointains que je ne connais pas. Je suis de ceux dont les désirs sont sur la terre, le souffle qui vous grise emplit mon cœur d'effroi. Un véritable dialogue sur les pronoms émerge sur les 4 poèmes de ce cycle. Entre le poète et le compositeur, cette première personne semble commune. Elle est l'expression personnelle de Jean de la Ville de Miremont, avant de devenir celle de Fauré. Sa récurrence altère la rencontre entre musique et poésie. Ce « je », en tant qu'il incarne le poète disparu, est repris par Fauré dans une perspective double.
Le compositeur se fait narrateur neutre d'une parole qu'il prend comme un simple objet littéraire, avant de la rendre sienne par l'appropriation musicale qu'il en fait. Dans ce trouble énonciatif se manifeste une réflexivité où le compositeur se raconte à la première personne. Il se prend lui-même pour objet de son œuvre et écarte alors les poèmes du recueil à la dimension autobiographique saillante qui renvoie à la vie du poète et non plus à la sienne. C'est donc par ce jeu réflexif, par le « nous » qu'il utilise pour se désigner lui-même et par le filtre thématique que se joue la nouvelle dimension autobiographique de l'horizon chimérique. Dépossédé de sa première personne, le poète cède la parole et son histoire au compositeur. Ce transfert se comprend aussi au regard de leurs productions respectives. Le destin de Jean de la Ville, par sa mort prématurée à la guerre, se place en miroir de la production de Fauré qui met un texte en musique pour la dernière fois. Véritable métaphore d'une rencontre manquée, l'opus 118 est empreint d'un romantisme de jeunesse comme évocation du poète et à une synthèse dans l'écriture qui est celle du compositeur. Nous vous aurons aimés en pure perte. Le dernier de vous tous est parti sur la mer. Le couchant emporta tant de voiles ouvertes que ce port et mon cœur sont à jamais désert. La mer vous a rendus à votre destinée. Au-delà du rivage où s'arrêtent nos pas, nous ne pouvions garder vos âmes enchaînées. Il vous faut des lointains que je ne connais pas. Je suis de dont les désirs sont sur la terre. Le souffle qui vous grise emplit mon cœur d'effroi, mais votre appel au fond d'espoir me désespère, car j'ai le grand départ inassouvi. Une correspondance intime entre le compositeur et la musique se révèle alors. Lorsque Fauré choisit les poèmes pour sa composition, il procède à une appropriation complète et personnelle et finit par incarner ce qu'il contemple, par se raconter à la première personne dans un partage du jeu poétique. Les derniers opus fauréens se situent donc au croisement de nombreux contraires. Fauré fait se rencontrer le prolongement du romantisme à une musique de renouvellement. Sa dernière période ou sa dernière manière incarne non seulement la formulation ultime de la mélodie fauréenne, mais aussi l'aboutissement de la mélodie française telle que le XIXe siècle l'avait proposée. Nous avons observé que la relation de Fauré à la littérature est aussi étroite que surprenante. Par rencontre mondaine ou par hasard, le compositeur découvre et s'attache à des recueils insolites. Par son choix de mettre en musique Charles van Lerberg ou René de Brimont, il termine d'écarter sa démarche compositionnelle et esthétique de celle de ses contemporains. Un couple se dégage pourtant des opus que nous avons évoqués, celle entre Jean de la Ville de Miremont et Gabriel Fauré. Et si nous avons parlé du processus d'appropriation musicale comme d'une rencontre manquée, peut-être cette conclusion nous permettra de considérer l'horizon chimérique comme une véritable projection du compositeur vers le poète, de Fauré vers son œuvre tout entière. Fauré dévoile, par une musique intime et sensible, son moi le plus profond et prononce, par les paroles de poète qu'il fait sienne, ses dernières volontés, ses grands départs inassouvis. Je vous remercie. Oui. Alors, merci Irène pour cette communication, cette vision panoramique sur la,
le répertoire La Mélodie de Forêt. On a quelques minutes pour la discussion, et donc je vais ouvrir la discussion avec l'audience. S'il y a quelqu'un qui veut poser des questions, on est prêt pour répondre. Je vois pas de main levée, c'est le moment le plus gênant pour un président de séance, mais de toute manière, je peux commencer avec une question pour Monsieur Blais. Vous n'avez pas parlé du fait que Reynald Dwan, il était chanteur aussi. En fait, il a aussi écrit des traités de techniques de chant. Oui, un petit tour sur le chant. Oui, c'était peintre des chants. Mais en fait, est-ce que ça a influencé, selon vous, l'être chanteur, le corpus, sa façon d'écrire la musique de son corpus de mélodies? C'est évident que le fait de chanter lui-même ses mélodies, c'est un avantage. Ça l'a peut-être conforté, justement, dans cette idée de donner toujours la primauté au texte et à la ligne vocale. Mais bon, dans cet exposé, je voulais surtout parcourir les cycles, comme j'ai dit, d'un point de vue morphologique, pour voir comment il les construisait, comment ça avait évolué dans son parcours. Et c'est sûr qu'il y aurait sans doute une étude à faire entre le Han chanteur, puisqu'on a des enregistrements sonores, et sa manière d'écrire pour la voix. Est-ce que par ça, il y a des questions qui sont... Oui, il y en a une. Peut-être qu'il y a un micro qui passe dans la salle. J'aurais une question pour Madame Fantini. Est-ce que vous avez rencontré Ruteboeuf comme poète aussi, parce qu'on parle de Charles d'Orléans et de Villon, et je pensais à Léo Ferré, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, il a fait un collage de poèmes magnifiques qui a donné sur des textes de Ruteboeuf, et je me demandais si à l'époque aussi on s'était intéressé à Ruteboeuf. Et alors pour Madame Irène Méjabutin, je me demandais quels étaient les liens exacts, c'est la minute belge, entre Van Lerberg et Fauré. Je ne savais pas du tout, est-ce qu'ils se sont rencontrés, est-ce qu'au contraire c'était tout à fait distant? Ah non, pardon. C'est pour les deux, en fait, c'est une question pour chacune, en fait. Pardon. Je les pose d'un coup, c'est des petites questions historiques. Voilà. Alors, oui, pour aujourd'hui, donc, je me suis concentrée sur le rondel. Donc, les trois poètes qui sont ressortis donc, étaient Théodore de Banville pour la période moderne et Villon et Charles d'Orléans. Mais effectivement, il y a plusieurs mises en musique de poèmes de Ruteboeuf. J'ai pas ma liste, parce qu'effectivement, je me suis intéressée aussi aux autres formes de mise en musique de poèmes anciens, mais si je ne me trompe pas, Ruteboeuf n'a pas écrit de rondelles. Non, je ne crois pas, je ne suis pas du tout spécialiste, mais je ne crois pas. À vérifier, il faut que je retourne sur les poèmes de Ruteboeuf, mais oui, effectivement, il y a aussi des mises en musique de Ruteboeuf. On a pu peut-être transformer, puisque on peut manier cette forme du rondel, prendre des textes de Ruteboeuf et les transformer en quelque chose qui se rapproche du rondel. Oui, oui. Peut-être que des gens ont fait ça à l'époque. Oui, c'est fort, fort possible. Après, il y a aussi la ballade qui a été reprise. Donc, c'est toutes des formes qui génèrent une espèce de stimuli artistique. Et après, effectivement, comme on a pu le voir, Debussy est l'un des rares cas qui a essayé de vraiment coller au poème et à la structure du poème en mettant vraiment en évidence le motif initial du refrain. Sinon, oui, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Alors oui, pour revenir sur la relation entre Fauré et Van Lerberg, en réalité, ils se sont rencontrés. Il n'y a pas eu de relation tenue, maintenue, comme il en a eu avec Verlaine. La genèse de la chanson d'Ève vient d'une mélodie séparée, qui était en fait avant la chanson de Mélisande, Mélisande Song, qui était en fait en anglais d'ailleurs. Il a voulu la reprendre, il ne savait pas trop quoi en faire. Et avec un concours de circonstances, il devait des publications à Durand. Donc il a dit je vais reprendre ma composition, et en fait ça a coïncidé avec sa rencontre avec Van Lerberg, et en fait de cette petite capsule musicale qui existait, de ce reste musical qui existait de Mélisande Song, en fait est apparu un des recueils foréens les plus denses, quoi. Il a jamais mis des poèmes de Maeterlinck en musique? Pas ce que je sache. Lien est rapide. Non, pas ce que je sache.
Pour faire écho à votre présentation, si je ne me trompe pas, il y a un poème de Rudebeuf qui a été mis en musique par Ferré et chanté par Joan Baez aussi. Voilà. Mais. Oui. Monsieur Seppi. Merci beaucoup. Alors une question, enfin une remarque et une question pour Philippe Blais. J'ai été vraiment très impressionné par votre exposé, dont j'ai apprécié la grande clarté. Vous nous avez présenté en effet les différents cycles de Reynald Dohan et vous les avez également commentés de l'intérieur, si je puis dire, en montrant leur morphologie, comme vous l'avez indiqué, ou leur structure interne. J'ai été frappé également par le dégagement que vous avez ménagé de deux concepts importants. Le premier, c'est impression, et le deuxième, c'est synthèse. C'est un mot qui est passé assez furtivement, mais sur lequel je voudrais insister. Et j'y ajouterai une troisième catégorie. Vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est-à-dire, il me semble que dans l'analyse que vous avez faite de ces cycles de Hahn, surgit avec force le faisceau ou l'ensemble des valeurs poétiques des années 1890-1900. En vérité, le travail de réappropriation, c'est une des notions que vous avez également employées, conduit à dégager beaucoup plus qu'une idée du poétique, une incarnation musicale du poétique. Et ça, je trouve que c'est assez exemplaire de la musique. Arriver, on en parlait tout à l'heure avec Jean-Pierre Bobillot qui intervenait sur ce sujet. Il me semble que c'est aussi une des vertus de la musique, de la mélodie, que de faire apparaître chez les grands compositeurs ce qu'est l'essence poétique, pardonnez-moi cette expression un peu rapide, l'essence poétique du moment ou l'imaginaire poétique du moment. Impression, synthèse correspondent parfaitement à ce qu'est la poésie de ces années-là. J'y ajouterai un point et vous me direz ce que vous en pensez s'agissant de Reynald Dohan, c'est la suggestivité. C'est-à-dire qu'en vérité, la musique est faite non pas pour raconter, non pas pour développer un thème, mais pour nous placer dans quelque chose qui est une sorte d'atmosphère colorée, suggestive, nous renvoyant à nous-mêmes, mais sans que pour autant nous soyons capables d'en verbaliser le contenu. Et je trouve que ce que vous avez montré, notamment à partir de Verlaine, que je connais un peu, Chanson grise, c'est tout à fait remarquable. Reynald Dohan arrive à dégager là un paradigme du poétique verlainien, une sorte de micro-genre ou de macro-genre verlainien, qui est la chanson grise. Chose autour de quoi toute la critique littéraire tourne sans jamais savoir comment s'y prendre, eh bien le musicien, lui, trouve les mots justes, trouve les notes qui correspondent, concordantes, pour dire cela. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci à vous. Je suis tout à fait d'accord avec vos remarques très subtiles. C'est sûr que Reynald Dohan a une capacité phénoménale d'assimilation. Il peut se fondre dans énormément de styles, et je pense que justement dans Verlaine, il se fond dans l'ensemble de ses recueils, et il en dégage une espèce de cycle qui est à la fois le sien et qui est à la fois essentiellement verlainien. Et c'est vrai que ce terme de chanson grise est merveilleux sur ce plan-là. Oui. Il y a un côté caméléon chez Reynald Dohan qu'on lui a reproché d'ailleurs. On lui a reproché justement de ne pas avoir de style parce qu'il pouvait avoir tous les styles d'une certaine manière. Voilà, je crois que ça aurait été un formidable compositeur de musique de film. C'était pas son époque, mais je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous dites. Merci beaucoup. Il y a encore une question, oui. Allez-y. Oui, merci beaucoup. Une question à Madame Fantini, peut-être. Donc, vous avez montré comment la musique s'empare des formes poétiques médiévales, mais au même moment, je crois que la musique, les musiciens réfléchissent aussi sur la musique médiévale, le plein chant notamment. Et je pense oui. À Eric Satie, il peut le faire, Ravel le fait, voilà. Alors, ce que j'ai constaté à l'heure actuelle, c'est que c'est deux mouvements parallèles. Par exemple, Vincent d'Indy, qui reprend la mélodie « Dieu qu'il a fait bon regarder », écrit un madrigal à deux voix, mais qui n'a pas, où on ne voit pas d'intention
d'intention à faire médiéval. Donc en fait, la récupération historique qui a lieu durant cette période, disons, témoigne d'un même intérêt pour le passé, pour ce patrimoine culturel français. Mais donc forcément, il y a des passages entre les deux phénomènes où on peut, par exemple, un compositeur peut utiliser un mode, comme on a dit tout à l'heure pour l'hypodorien, pour donner une certaine couleur, cet exotisme temporel à la pièce. Mais dans le cas du genre de la mélodie française, on n'essaye pas de voir la musique médiévale. Surtout que les poèmes qui sont repris à cette époque-là sont des poèmes qui s'étaient à l'époque déjà dissociés de la création musicale. C'était des poèmes qui cherchaient une virtuosité linguistique, littéraire, et Villon, par exemple, n'était pas musicien. Donc Charles d'Orléans non plus. Il avait des connaissances probablement en musique, mais n'avait pas l'aptitude, les compétences pour écrire le poème et la musique. Donc c'était une période où les poèmes qu'on récupère sont déjà des poèmes autonomes, fermés sur eux-mêmes, en fait. Donc peut-être ça laisse une plus grande liberté pour les compositeurs modernes, pour leur mise en musique, que des poèmes qui ont été déjà à l'époque mis en musique. Oui, exactement. Oui. Encore des questions? Oui, Lucia. Oui, en faisant suite à ce qu'on disait tout à l'heure, je voudrais vous demander si... alors, il me semble qu'on peut, d'un côté, identifier une fictionnalisation du Moyen-Âge dans la réception textuelle, enfin dans la réception musicale des textes, des poèmes, et de l'autre côté, dans la réflexion sur la musique médiévale qui est en cours chez les musiciens, il serait plutôt un souci historique qui fait surface et qui se manifeste dans des éditions critiques, de toute façon dans une approche beaucoup plus scientifique, si vous voulez. Donc je me demande, est-ce que on pourrait dire, est-ce que j'ai bien compris, et deuxièmement, est-ce qu'on pourrait dire que ces deux mouvements que vous avez décrits comme parallèles se rejoignent dans le souci nationaliste, donc dans le fait de créer une espèce de base commune à une nation jeune? Oui, oui, absolument. C'est pour ça que j'ai cité l'article de Moussika où on voit bien qu'on cherche... Il parlait de l'opéra comique, mais il y a cette possession en fait du patrimoine historique culturel où on cherche à se créer cette filiation pour se détacher de l'influence wagnérienne, de l'influence du Lied. Voilà, Debussy, on sait que son souhait, c'est de dépoussiérer un peu le style français de cette influence allemande. Et d'ailleurs, il y a un autre article dans la revue Musica où on compare la mélodie au Lied. Et on dit que et il y a vraiment cette volonté nationaliste de dire nous, maintenant, on fait de la mélodie française. Et c'est un art vraiment très français. Donc oui, effectivement, le fait d'aller chercher, puiser dans le patrimoine de l'héritage français, c'est pour chercher un héritage commun, d'aller prendre comme autorité en fait les pères fondateurs de la littérature française, il me semble. Je ne sais pas si j'ai répondu. Je vois pas. Pas de main levée encore, donc on peut terminer la deuxième séance. Merci beaucoup, il fallait de la patience, mais la discussion était très, très intéressante. Et bon, on se voit tout à l'heure à 14h. Merci beaucoup à tous.